Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir Farid. Merci de Bonsoir, votre présence bonsoir Farid. pour cette Bonsoir. rencontre, cette nouvelle rencontre du Forum France-Algérie, consacrée à l'ouvrage de Christian Féline, qui apparaît à l'écran d'ailleurs, La Terre, l'Étoile et le Couteau, le 2 août 1936 à Alger, qui est publié aux éditions du Croquant. Et Alger aux éditions Chehab. Nous sommes très heureux de vous accueillir et également de permettre à nos sympathisants, nos membres, de prendre connaissance de cet ouvrage qui m'a passionné, que j'ai lu d'une traite et dont j'aimerais parler ce soir en compagnie de Issa Kadri, qui est directeur de la collection. Que je le dise bien, il est directeur de la collection Société et politique en Méditerranée des éditions du Croquant qui publie l'ouvrage. Pour ceux qui ne connaissent pas Christian Féline, il est né à Blida, en Algérie, et il a publié de nombreux ouvrages sur qui ont trait à l'Algérie, notamment dans sa période coloniale. Et je cite Un Guadeloupéen à Alger, Maître Maurice l'Amiral. Il a pu, ça c'est 1864-1955. Des avocats indigènes dans l'Alger coloniale. Aurès 1935, photographie de Thérèse Rivière et Germaine Tillon. Il a co-dirigé le recueil Défi démocratique et affirmation nationale Algérie 1900-1962 paru chez Chehab. Et il a co-écrit avec Agnès Piquel, Camus communiste, Alger 35-37. Et Alger sur les pas de Camille et ses amis. Vous voyez donc que c'est un auteur très prolifique. Et pour démarrer, donc je voudrais demander à Issa Kadri de nous dire pourquoi les éditions donc du Croquant ont donc ouvert leurs portes à cet ouvrage. Bonsoir, bonsoir Thierry, merci. Je dois tout de suite apporter une précision. L'ouvrage a été simultanément publié par les éditions Le Croquant et les éditions Chihab en Algérie. On a fait en fait presque, disons-le, une copublication, une coédition. Un pour le public algérien, un pour le public français et algérien en France, dont la question est extrêmement importantes et qui les intéressent fortement. Alors, je dois dire d'abord le plaisir d'être dans ce webinaire et vous remercier Farid pour le travail qu'il accomplit et le remercier pour son invitation et remercier aussi Christian Féline pour son invitation et les échanges aussi qu'on a eus et la confiance qu'il a mis en nous, et en moi particulièrement, dans les échanges qu'on a eus pour la publication de cet ouvrage, parce qu'on a travaillé longtemps, longuement, je dirais, comme il a travaillé d'ailleurs avec les éditions Chihab et les responsables et le secrétariat des éditions Chihab pour publier cet ouvrage. Donc, La Terre, l'Étoile, le Couteau, août 36. Il s'agit ici d'un important ouvrage, d'un ouvrage important qui se lit, tu l'as dit tout de suite, Farid, il le lit d'une traite, de manière presque comme un roman policier, d'une manière tout à fait haletante. Quand on le prend dès le départ, on ne le lâche pas jusqu'à presque la dernière page. Hein, et donc, c'est un ouvrage très important, un ouvrage donc qui conjugue à la fois l'histoire événementielle. En fait, c'est une histoire donc qui se fait même en heures, hein, dans la journée d'août 36, du 2 août 36, mais qui, donc, il y a des événements qui se suivent, qui se télescopent, qui ont des relations, même au départ, on ne les voit pas très vite, mais qui ont des relations entre eux, et donc qui conjuguent cette histoire événementielle et la grande histoire. Je dirais l'histoire profonde et la grande histoire, puisque il s'agit là d'un événement fondateur dans l'histoire du mouvement national, peut-être qui a pas la place qu'il devrait avoir du point de vue des événements, disons, qui jalonnent cette histoire de constitution, enfin de développement du mouvement national.
C'est un ouvrage qui s'appuie sur de nouvelles sources, sur de nouvelles archives, qui réinterroge les sources et les archives, qui a une iconographie assez inédite, puisqu'on a longtemps discuté sur cette photo qui a été trouvée à Constantine, dans les archives de Constantine, de cette image de Messali portée sur le dos de Mestoul au stade, donc qui conjugue à la fois de nouvelles sources, de nouvelles archives, une iconographie qui sont croisées avec des entretiens, avec de nouvelles informations. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un ouvrage qui réinterroge donc un moment fondateur de l'histoire du mouvement national. J'ai relu, pour un peu éclairer ces choses, l'ouvrage d'Ali Merad sur le réformisme musulman en Algérie. Et lui, il donne une plus grande importance dans cette histoire que beaucoup d'autres événements, le congrès de 36. Donc, il réinterroge un moment fondateur et au-delà du mythe, il tente de coller au terrain, d'aller vers le terrain, vers les acteurs principaux, de les décrire, de voir quels sont ce qui les fait agir, leurs déterminants. Et il conjugue donc, je l'ai dit, la micro-histoire et la macro-histoire. Et c'est un peu, disons, puisque tu me disais de présent pourquoi c'est l'intérêt pour le croquant, c'est un peu cette conjugaison ou cette tentative de, à la fois de voir ce qui relève des faits et de la longue histoire qui intéresse le croquant du point de vue de ce qui s'est passé entre le versant sud et nord de la Méditerranée, hein, dans ses relations méditerranéennes, euro-méditerranéennes. Et donc, cette collection Société politique histoire en Méditerranée, c'est là pour objet un petit peu à la fois de saisir ces interrelations, à la fois à travers disons, en carottant, en allant voir à des moments précis ce qui se passe, mais aussi dans le mouvement plus large, hein, du point de vue historique, dans le mouvement le plus large, donc de resituer ces événements et de resituer ces relations dans l'espace-temps contemporain, il est vrai contemporain. Et donc, le croquant donne place à des travaux de ce point de vue-là, qui portent à la fois sur les faits, les terrains, les expériences, les acteurs, d'aller vraiment faire un peu de la sociologie ou de la sociologie historique ou l'anthropologie, voire de l'ethnographie. On a publié des ouvrages extrêmement importants sur des objets importants, à un moment important, en carottant, je vais te donner quelques titres peut-être. Et donc, ces objets étant souvent perçus à la marge des choses. En réalité, pour nous, un peu comme ça, comme cet événement qui, d'une certaine façon, perçu un peu comme, j'allais dire, peut-être pas secondaire, mais en tous les cas, qui est resté un peu à la marge de cette histoire et qui est remis au centre. Donc, des objets, des terrains, des acteurs et des faits qui nous paraissaient importants, en même temps que tenter de saisir les mouvements plus amples, comme par exemple ce qui caractérise les mouvements sociaux dans cet espace-temps qu'est la Méditerranée dans les moyennes durées. Alors, à ce titre, par exemple, la collection, elle a, d'un point de vue d'histoire, disons carottée ou focalisée sur des points précis, on a publié, par exemple, la prise d'Alger en 1830 vue du côté britannique. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait pas la grande histoire, mais enfin qui était important compte tenu du fait que les Britanniques se sont opposés à la colonisation. Ils étaient même à deux doigts d'intervenir en Algérie pour bouter hors d'Algérie la France. Et le fait que le gouvernement Palmerston a changé, les choses ont été dans un autre sens. Donc, par exemple, cette histoire de prise d'Alger par Mohamed Ouali sur la question kabyle, je cite le titre qu'a donné Guennoun à son ouvrage, de 49 à 54, la question berbère ou la question kabyle, et la question donc de l'identité de la démocratie en Algérie, qui a été d'une certaine façon, dont on parle beaucoup, mais qui a été peu analysée, peu travaillée. Donc, on a aussi un ouvrage sur les camps de regroupement. Donc, pendant la guerre d'Algérie, c'est l'ouvrage Fatima Beznassi Lankou, etc. Il y a eu, on vient de sortir un ouvrage sur le 8 novembre 42,
et ses effets sur l'Algérie, le débarquement, l'opération Torche et ses effets sur l'Algérie dans ce moment précis qui était novembre 42 ou des années 40, des années 40 à 45. Voilà. Donc, voilà, merci Aïssa, je pense que… Je termine voilà. Juste de mots. Donc, il y a à la fois cette analyse d'objets précis, de moments précis, de voir des failles, des choses comme ça, ce qu'on pourrait appeler des césures ou des fractures dans l'histoire, et notamment, et puis il y a cette vision d'aborder les choses dans un ample mouvement, notamment par exemple sur les faits précis, j'ai oublié de citer, on a fait un ouvrage sur Gaza, sortir sans sortir, hein, sur Méditerranée aussi, et c'est d'actualité, c'est une anthropologue, Elena Klebo, qui a décrit au jour le jour, c'est un super bouquin, au jour le jour, la vie quotidienne à Gaza. En fait, qu'il y a un miracle à Gaza, les gens continuent à vivre dans ce ghetto, dans cet enfermement. Il y a aussi un ouvrage qui a été publié, aussi en Algérie, c'est édité en Algérie, c'est « La vie ordinaire d'un tortionnaire » en Algérie, de juin. Qui raconte l'histoire d'un militaire qui torturait en Algérie. Voilà. Donc, il y a ces approches à la fois de carottage, mais il y a ces approches aussi d'histoire de moyenne durée dans le mouvement. Et de ce point de vue, on vient de publier un ouvrage sur le Hirak, deux ouvrages sur le Hirak, hein, d'un journaliste politologue algérien, vous le verrez sur le site, et puis un ouvrage que j'ai moi dirigé sur les fondements du Hirak, la décennie 2010-2020. Voilà, donc je vous remercie encore une fois, je remercie ceux qui sont là pour le débat, et je dirais aussi un grand merci à nos amis d'Algérie, de Chihab, qui ont été dans cette aventure et qui ont publié cet ouvrage. Les éditions Le Crocon sont tout à fait ouverts. On va publier des ouvrages, notamment sur la mémoire de la SNS. On va publier un ouvrage sur le cinéma amazigh algérien. On va publier des ouvrages, de nouveaux ouvrages. Et donc, les éditions Le Crocon sont ouverts à faire en sorte qu'ils soient publiés en même temps, comme dans le présent ouvrage en Algérie. Voilà, merci. Merci. Donc, on aura l'occasion de vous inviter pour d'autres publications du Crocan. Avec plaisir. Et probablement avec Chihab. Avec grand plaisir. Qui vient sortir, qui est vraiment très bien du point de vue. Merci. On peut la participer d'ailleurs, Christian Féline, mais dans le deuxième volume qui va apparaître, puisque cet ouvrage va être publié en deux volumes. Merci, Aïssa. Christian, donc, vous faites partie d'une collection. Ambitieuse, intéressante, et je crois qu'il est vraiment en phase avec votre ouvrage. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez mené votre enquête. C'est une vraie, véritable enquête, hein, on le lit, on le comprend. On voit qu'il y a des entretiens, vous avez eu accès à des archives, parfois accès à des éléments inédits, peut-être des fois classés. Pouvez-vous nous raconter un peu comment vous avez mené tout ça? Oui, alors je dois d'abord, moi aussi, des remerciements. Aïssa, bien sûr, de m'avoir accueilli, accompagné dans cette collection où je suis vraiment fier de figurer. Et puis Farid, bien sûr, merci. Ce n'est pas la première fois que je participe à un débat du forum. Je crois que c'est la troisième ou peut-être même au minimum, peut-être quatrième. Oui. Ensemble, et ce n'est pas rien. Alors d'habitude, ça se faisait dans de sympathiques et chaleureux café parisien, là c'est à distance, peut-être que ça nous permet d'être plus nombreux, je remercie tous ceux et celles qui sont là, et puis on va essayer de, malgré la distance, d'établir le contact et le dialogue. Alors pour répondre à ta question Farid, d'abord une première remarque, il y a plusieurs façons de faire un travail d'histoire. J'ai énormément d'admiration pour les historiens de grande ambition qui conduisent notamment sur la question de l'Algérie de grandes fresques couvrant
des périodes entières, les documentant, les réinterprétant, et cela à chacune des générations qui vont d'Ageron, à Meynier, à Stora, à Darby. Et leurs ouvrages sont absolument indispensables pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai une autre approche tard venue à l'histoire, qui est de ce que j'appellerais la micro-histoire, c'est partir d'un événement, d'un moment, d'une journée où il s'est passé quelque chose, peut-être oublié, peut-être pas l'interprété, et d'aller y voir de près. Ce qui m'intéresse dans cette approche, c'est que c'est une histoire qui peut rejoindre la grande histoire, comme le disait Aïssa, mais qui s'écrit au niveau des individus, de la complexité des faits immédiats, des trajectoires diverses qui s'y rencontrent et dont on dégage par cercles successifs la portée. Il s'est trouvé en effet que j'ai écrit trois livres sans y penser, qui s'avèrent être centrés sur une journée particulière. Le premier ouvrage que j'ai publié, c'était sur la révolte de Marguerite, le 26 avril 1901, une révolte qui n'a duré que 8 heures, mais qui a été dans l'Algérie qui se croyait coloniale, qui se croyait à cette époque pacifiée, d'un immense retentissement judiciaire et politique jusqu'en métropole. Et pour moi, j'y ai vu le témoignage largement méconnu depuis, de la persistance dans cette Algérie du début du XXe siècle, d'une résistance souterraine en milieu rural à la colonisation, qui était bien évidemment très porteuse d'avenir. Autre livre qui porte sur une journée, c'est un ouvrage collectif paru chez Gallimard sur le 20 janvier 1956, le jour de l'appel à la trêve civile en Algérie, porté par Albert Camus, mais il faut le rappeler, un comité d'initiative qui regroupait à égalité des Européens et des Algériens d'origine musulmane. Et là aussi, en essayant de voir tous les tenants et aboutissants de cette journée qui a été un échec politique, mais qui en tant qu'échec politique ouvre à une période très douloureuse de la guerre d'Algérie qui va culminer avec l'hyperviolence de la bataille d'Alger jusqu'à la fin de l'année 1957. Et puis là, c'est un troisième livre qui est effectivement centré sur une journée très largement marginalisée dans la mémoire et dans l'histoire officielle et qui m'a semblé d'une grande importance, d'une importance décisive en fait, pour tout l'avenir du mouvement de libération nationale, qui est le 2 août 1936 à Alger. Alors, pour répondre plus précisément à la question, comment mener l'enquête ? D'abord, elle a été menée sur la longue durée, c'est-à-dire que j'avais croisé cette journée en travaillant sur la révolte de Marguerite pour une raison simple, parce que dans cette histoire de longue période, il y a des continuités, il y a des personnages, il y a des situations qui se retrouvent de l'une à l'autre. Et le procès des révoltés de Marguerite qui a eu lieu à Montpellier, en métropole, et qui de ce fait même a eu un immense retentissement, a été marqué par une personnalité très forte qui était cet Algérien, cet avocat algérois d'origine guadeloupéenne, qui s'appelle Maurice l'Admiral, à qui j'ai consacré un ouvrage par la suite, personnalité indigénophile, comme on disait à l'époque, mais qui a su retourner l'accusation en faisant de ce procès le procès des méthodes et de la brutalité de la colonisation agraire, et qui a complètement
retourner la question devant l'opinion publique, notamment en France. Et il se trouve que cet avocat a aussi été, on y viendra tout à l'heure, dans une de ses dernières grandes plaidoiries politiques en 1939, l'avocat du Cher et Lockerbie, qui avait été accusé d'être l'instigateur, on y viendra, de l'assassinat du grand Mufti, qui est un des événements, même si ce n'est pas l'événement principal, qui a marqué cette journée du 2 août 1936. Donc j'avais mesuré, vous voyez, de fil en aiguille, l'importance que pouvait avoir cette journée, et il se trouve que tous les protagonistes, ou presque, de cette journée historique se retrouvent aussi le 20 janvier 1956 au Cercle du Progrès, lorsque se joue cette autre partie qui est l'appel à la trêve civile. Donc, Christian, on rentrera sur le fond, mais vraiment là, j'aimerais savoir comment vous avez procédé simplement, pour écrire le livre. On va rentrer sur le fond. Et oui, on y arrivera, mais d'abord la méthode. Je dis que simplement que la recherche s'est menée au fond sur 10 ans, hein, c'est-à-dire je croisais, je recroisais, parfois involontairement, les personnages et qui me ramenaient tous à cet événement par une espèce de spirale à laquelle je ne pouvais pas échapper, et qui fait que j'ai recueilli au fil des années beaucoup de documents alors que je travaillais sur autre chose qui portaient sur cette période. Alors ces documents, ils sont, et c'est important pour l'historien, ils sont de plusieurs natures. Il y a ce qu'on appelle les archives coloniales à Aix, qui sont en fait les archives de souveraineté du gouvernement général. Donc on constate à quel point ils sont à forte densité policière. L'administration coloniale du gouvernement général avait peu de vision stratégique, un souci de maintien de l'ordre en place, d'un système d'exercice du pouvoir s'appuyant sur une forte ségrégation entre la population colonisée et la population européenne, avec une très forte inégalité de droit, et travailler par en permanence la surveillance policière de toute la vie publique et de tous les modes nouveaux d'expression qui pouvaient commencer à se développer dans la population musulmane. C'est donc un type d'archives qu'il faut traiter avec beaucoup de précaution. C'est du renseignement, c'est une archive de pouvoir, d'autorité, mais malgré tout, par son caractère très pointilleux et le caractère quotidien de cette surveillance, on peut y trouver toutes sortes d'informations sur la vie des organisations, l'état de l'opinion et les mouvements sociaux. Ça, c'est un élément très important. Il y a eu aussi des archives d'une autre nature qui avaient été peu explorées, notamment aux archives nationales à Paris, les archives de Charles-André Julien, historien et militant d'origine, né présent en Algérie, qui a été à la fondation du Parti communiste, de la majorité qui a rejoint l'Internationale communiste en 1920, et qui ensuite, en 1936, s'est retrouvé à Matignon, près de Léon Blum, et a tenu des archives extrêmement détaillées, où l'on peut suivre les velléités et l'échec final de la volonté de réforme du Front populaire sur la question algérienne. Ce sont donc des archives qui sont extrêmement intéressantes sur tous les débats politiques auxquels ont donné lieu cette période très active de la vie politique et de la politisation en Algérie. Et puis, puisqu'on le verra, il y a eu une dimension criminelle et un crime peut-être politique qui a marqué cette journée, qui est l'assassinat du grand Mufti, il s'est trouvé que j'ai retrouvé dans des archives privées au Centre de documentation de l'histoire de l'Algérie qui recueille des archives privées
et qui se situe aussi à Aix-en-Provence, un dossier complet de l'un des avocats qui est intervenu dans ce procès et qui m'a permis d'avoir pour la première fois, pour un historien, accès à de nombreux documents de police, notamment les interrogatoires de cette affaire très obscure, et que ça m'a permis de dépasser bien des impasses de la recherche historique sur cette question restée mystérieuse depuis 85 ans. Et puis enfin, il y a eu des témoignages, parce que la chose est lointaine, mais en même temps, elle est assez proche. Au fond, ça n'est qu'à deux générations d'entre nous, et dans la vie algéroise, la mémoire est souvent durable et vive, et j'ai pu recueillir donc des témoignages indirects, de première ou de deuxième génération, mais qui m'ont permis, notamment sur la question policière, de proposer, je pense, avec une certaine conviction, une solution à ce problème qui était resté d'une grande obscurité. Voilà. Et puis, bien sûr, ce qui est essentiel, c'est la presse, et notamment la presse indigène, comme on disait à l'époque, qui, en 1930, entre dans une période de grande activité, avec une vraie professionnalité, et qui reflète la diversité, qu'elle soit en arabe ou en français. Elle est pour une part abondante en français, les prises de position politiques et les polémiques, parfois très vives, qui opposent les différents courants, qu'il s'agisse du réformisme religieux naissant des oulémas, l'association des oulémas algériens, qui est créée en 1931 et qui est à plusieurs titres de presse directement ou proche d'elle, la presse du Parti communiste, qui devient Parti communiste algérien en 1931, la lutte sociale, et s'agissant du courant nationaliste naissant, issu de l'étoile nord-africaine qui est créée en 1926 en métropole, enfin à Paris, mais dont le journal El Ouma en français, qui est édité en France, arrive en Algérie à partir des années 1930-1934, et un premier groupe de lecteurs de l'Ouma qui se réunit près de la Casbah, autour d'un des personnages dont je parlerai, Mohamed Mestoul, c'est un élément essentiel et qui va, à partir de 1936, connaître son vrai développement. À partir du 2 août 1936, très précisément, on va en reparler, va commencer à se développer en Algérie même et devenir, à travers l'étoile nord-africaine, puis le PPA, le premier noyau de tout le mouvement de libération nationale. Donc c'est ce moment natif. Il y a Alger républicain aussi, où exerce le jeune Camus. Alger républicain, le premier Alger républicain. Bien sûr. Quotidien de gauche, indépendant, comme il n'y en avait pas dans la presse européenne coloniale jusque-là, est créé à l'octobre 1938. Mais c'est une source essentielle pour un des aspects de l'ouvrage, et qui est la chronique du procès. Le procès des assassins ou commanditaires supposés de l'assassinat du grand Mufti. Et il se trouve que le procès, qui dure plusieurs semaines, est suivi par un jeune reporter d'esprit très indépendant qui s'appelle Albert Camus, qui nous a donc laissé une chronique quotidienne qui a été saluée par la presse indigène par sa grande souci d'exactitude, son honnêteté et sa précision, à la différence bien évidemment de la chronique qui en était rapportée dans la Dépêche algérienne ou dans l'Écho d'Algérie. Donc c'est une source essentielle, bien évidemment, et qui, croisée avec les autres, m'a permis de progresser sur cette question restée bien obscure. Merci Christian Féline, là on comprend mieux un peu la méthode, les sources
utilisées. Maintenant, j'aimerais qu'on campe un peu le décor et que vous nous parliez de ces deux lieux qui sont un peu distants, hein, qui, l'un étant au centre de la ville la ville traditionnelle, la Casbah, la rue de la Lyre, et l'autre étant aux confins de Bellecour, presque au ruisseau, le stade, je crois qu'on l'appelait le stade municipal, c'est ça à l'époque. Hein. C'est là où vont se dérouler donc, les deux événements. Alors, il faut dire quand même ce qui s'y passe. Mais d'abord, on décrit un peu les lieux. J'aime bien cette question, Farid, parce que je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien partir d'un petit événement, quelque chose qui déclenche la recherche et la réflexion. Mais j'ai aussi une conception de l'histoire qui est qu'il ne faut pas s'en tenir au strict politique. Hein, on ne va pas analyser simplement les mots d'ordre et les forces politiques et leurs combats. Mais toute histoire, et même l'histoire politique, ne peut se comprendre que d'une part dans une approche plus large de ce qui se met en œuvre socialement, anthropologiquement, symboliquement, et qui se traduit sur le champ politique, et d'autre part que la géographie, que l'histoire pour moi est indissociable de la géographie, que toute histoire est territorialisée, se joue, a pour enjeu, a pour théâtre des lieux, des campagnes, des villes, des quartiers, des bâtiments, des lieux de sociabilité, et que c'est que comme ça qu'on peut à la fois revivre, restituer et comprendre les événements dans leur dimension territoriale, dans leur géographie. De ce point de vue-là, j'ai beaucoup appris d'Omar Carlier, un des grands historiens fondateurs de l'histoire, d'une histoire socio-anthropologique de l'Algérie qui permet de comprendre les vrais fondements des forces en mouvement et qui se traduisent ensuite sur le terrain politique ou dans les réalités militantes. Alors, pour répondre à la question sur les lieux, en effet, qu'est-ce qui se passe ce jour-là et où ? Alors, il se passe trois choses. Le 2 août 1936, près de 15 000 personnes, à forte majorité musulmanes, se retrouvent au stade municipal d'Alger, situé à Bellecour, Belouizdad, on va parler de cet endroit, à l'appel de ce qu'on appelle alors le Congrès musulman algérien, qui est un rassemblement politique inédit, qui s'est formé quelques semaines plus tôt dans un autre haut lieu d'Alger, à l'opposé de la ville, qui est le cinéma Majestic, aujourd'hui Atlas, à Bab El Oued, qui est la plus grande salle que l'on connaisse à Alger, puisqu'elle fait 5000 places. Et ce congrès musulman algérien réunit de façon inédite l'association des oulémas, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les réformistes religieux de l'association créée en 1931, la Fédération des élus musulmans, créée à l'initiative du docteur Ben Jelloul, élu de Constantine, et parmi les dirigeants desquels il figure déjà un jeune pharmacien de Sétif, dont on parlera par la suite, Ferhat Abbas, et puis des militants représentant les forces d'origine européenne qui sont dans le Front populaire qui vient de gagner les élections à Paris, que sont les militants communistes représentés par Amar Ouzghan, notamment, et des militants socialistes comme Benhadj. Et donc, ce congrès musulman s'est conçu comme une force à la fois d'union revendicative de l'ensemble des forces politiques algériennes musulmanes et un interlocuteur pour ce nouveau gouvernement qui est le Front populaire, dont il donne une espèce de traduction proprement algérienne. Et donc, premier événement, 15 000 personnes se retrouvent au stade municipal pour recevoir le compte-rendu
de la délégation que le Congrès musulman a conduit à Paris pour discuter avec le gouvernement de Front Populaire qui vient de gagner les élections. Il faut souligner que 15 000 personnes, c'est le plus grand rassemblement depuis l'indépendance. C'est unique. Quoi. Depuis 1830. Depuis 1830. Bon, donc en soi seul, ça aurait justifié un livre. Hein. Deuxième événement qui a lieu aussi au stade, et je vais vous parler de cet endroit, c'est une surprise. Le matin même, invité dans les jours qui précédaient par ce petit groupe des lecteurs d'El Oulma qui se réunissaient chez un coiffeur dans la Casbah, est débarqué le matin même du ville d'Alger Messali Hadj, qui est donc devenu le président de l'Étoile nord-africaine, qui a pris ses distances vis-à-vis du Parti communiste en 1933, et qui, dans l'immigration métropolitaine et parisienne, constitue une force qui a deux caractéristiques extrêmement novatrices. D'une part, une dimension nord-africaine, c'est-à-dire pan-maghrébine, et d'autre part, se bat pour les trois pays du Maghreb sous contrôle français, sur une perspective qui est clairement celle de l'indépendance, dans la tradition d'ailleurs des partis communistes des années 20. Donc, Messali Hadj n'est pas attendu, il se présente au stade à l'ouverture du meeting, impose de prendre la parole, non sans mal d'ailleurs, et après que les dirigeants du Congrès musulman aient fait des discours assez rendant compte de la plateforme revendicative qu'ils avaient présentée à Paris, il fait une intervention de rupture, à la fois soutenant avec force et sincérité l'ensemble des revendications partielles. Cette plateforme était extrêmement ambitieuse, offensive, unificatrice, puisqu'elle réunissait les revendications des oulémas, qui étaient des revendications d'ordre religieux et culturel, contre tous les contrôles que l'autorité coloniale faisait peser sur le prêche dans les mosquées, le contrôle du clergé, les obstacles mis à l'enseignement de l'arabe, etc. Les revendications propres aux élus musulmans dans les assemblées communales ou départementales, et qui étaient des notables passés par l'enseignement français le plus souvent, et qui se battaient sur le terrain républicain pour l'abolition de toutes les législations discriminatoires qui existaient dans le droit algérien et pour l'extension notamment des droits civiques et du droit électoral. Et enfin, toutes les revendications d'égalité sociale et d'amélioration économique que pouvaient porter comme proches du Front populaire les socialistes et les communistes. Donc, Messali Hadj soutient complètement ces revendications qui avaient une très grande force de mobilisation, mais marque une alternative et une opposition politique totale sur la perspective politique dans laquelle ces revendications restaient inscrites de la part de toutes les forces du Congrès musulman et qui se résumait en deux revendications qui pouvaient sembler offensives, mais qu'il démonte comme tendant à une sorte d'assimilation politique et d'acceptation durable de la présence de la domination coloniale française. Ces revendications étaient, d'une part, la demande que il y ait une extension jusqu'au suffrage universel du droit de vote reconnu aux Algériens d'origine musulmane, alors qu'il était réservé jusque-là à une minorité,
et que cette extension permette d'aller jusqu'à élire des députés au Parlement à Paris. Et d'autre part, un mot d'ordre qui se voulait offensif, mais qui en réalité acceptait le cadre légitime, comme légitime le cadre de la présence politique française, qui était rattachement à la France. C'est-à-dire que les forces du Congrès musulman pensaient que l'égalité politique pouvait être atteinte et la satisfaction des autres revendications dans un cadre d'assimilation au droit commun de la France qu'ils opposaient à l'ensemble des mesures dérogatoires ou discriminatoires que comportait le droit algérien. Et Messali leur oppose une toute autre perspective. Il dit non, on ne veut pas de strapontin assemblée. Au Parlement à Paris, où on sera à pieds et poings liés, où on n'aura aucun pouvoir, Parlement algérien, un Parlement algérien élu au suffrage universel, sans distinction de race ou de religion, ce qui était un mot d'ordre totalement démocratique, la démocratie jusqu'au bout en Algérie, et dont le contenu était perçu immédiatement, vu ce qu'était la démographie algérienne, comme un mot d'ordre de souveraineté. Un Parlement élu au suffrage universel dans un pays où la population colonisée représentait 9 dixièmes de la population, ça voulait dire la voie ouverte vers une souveraineté et à terme une autonomie ou une indépendance. Et là, il donne à ce refus de quémander des places à Paris en abdiquant finalement la perspective d'une Algérie algérienne, une force, il donne une expression symbolique extrêmement forte par ce slogan dont on a parfois conservé la mémoire, mais pas assez, cette terre n'est pas à vendre. Slogan qui a trouvé des espèces d'échos lointains dans l'actualité récente, dans un tout autre contexte, où l'on a pu dire de multiples manières que l'Algérie n'était pas à vendre. Et il accompagne, c'est en tout cas la légende qui en est restée, mais on peut discuter de sa réalité, d'un geste très symbolique, qui est de se baisser, de ramasser une poignée de terre algérienne et de dire que cette terre n'est pas à vendre. Et il est porté en triomphe par deux fois tout autour du stade, la foule ayant immédiatement perçu qu'il y avait là une alternative qui s'ouvrait. Alors, ce lieu, le stade, puisque c'était ça la question, Farid, tu as l'air consterné de mes détours, tu as raison. Pas du tout, pas du tout. Le stade, alors le stade, c'est très intéressant, d'abord parce que c'est un de ces très grands bâtiments, c'est un stade de 15 000 places, à l'époque c'était considérable, hein, aujourd'hui, le grand stade fait 120 000 places, hein, bon. Mais à l'époque c'est un très grand bâtiment, et il fait partie de cette série de réalisations un peu triomphalistes, et qui ont accompagné les cérémonies du centenaire de la colonisation. Du centenaire de la colonisation, qui était avec une grande inconscience de ce que ce triomphalisme pouvait avoir d'insultant pour la population, et qui s'est traduit par des réalisations urbaines très importantes. L'hôtel Aletti, le nouvel hôtel de ville, ce qu'on appelle aujourd'hui le palais du peuple, non, le foyer non, non. Civique. Hein, foyer civique, oui. Ouais, le foyer civique qui a accueilli toutes les intersyndicales des grèves du Front populaire, le musée des Beaux-Arts au-dessus du jardin du Hamas, et tout au bout du faubourg très populaire et à composantes ethniques plus complexes que le reste de la ville d'Alger, ce stade municipal qui a été inauguré en 1930. Et autre aspect important de ce bâtiment, qui existe toujours, hein, c'est
le stade du 20 août 55, c'est que c'est un stade, c'est-à-dire qu'à la différence des autres espaces publics qui ont été construits en 1930, c'est un lieu que la population d'origine musulmane fréquentait parce que dans les années 30, déjà, les sports d'équipe, le football, étaient d'un très grand intérêt de mobilisation populaire et avaient revêtu, avec la création du premier club d'origine musulmane qui était le Mouloudia, un caractère fortement identitaire. La mobilisation sportive et une certaine fierté identitaire se reconnaissaient sur ce terrain sportif. Donc c'était un lieu que les spectateurs de ce meeting connaissaient déjà parce qu'ils venaient y assister avec déjà une espèce de ferveur pré-patriotique, disons, aux grandes compétitions, notamment de foot. Alors, je dois parler du dernier événement, qui est effectivement qu'au moment même, ou à une demi-heure près, où Messali fait ce discours fracassant au stade municipal et porté en triomphe, se passe un tout autre événement, apparemment totalement indépendant, qui est à l'autre bout de la ville, au pied de la Casbah, dans la rue de la Lyre, le grand moufti d'Alger, que l'on appelle Kaoul, sort de chez lui pour se rendre à la mosquée, comme il le faisait chaque matin, et il est assassiné en pleine rue, dans la matinée, à 9h30, il est poignardé. Et voilà. C'est un événement très bouleversant qui sera exploité immédiatement par le gouvernement général qui décrétera d'emblée qu'il s'agit d'une vengeance politique. Et c'est vrai que le moufti d'Alger faisait partie des personnalités, des religieuses officielles vivant en bonne intelligence avec l'administration française, dont la nomination était quasiment administrative, et celui de le moufti d'Alger, même s'il n'était qu'intérimaire, était un des principaux intermédiaires ou agents d'action de l'administration dans la population musulmane. Donc ce meurtre bien évidemment un très grand retentissement, d'autant plus que Kaoul s'était singularisé quelques jours, ou plutôt quelques semaines auparavant, au moment où la délégation du Congrès musulman se rendait à Paris, par un télégramme qu'il avait envoyé au gouvernement, dénonçant par avance la délégation comme ne représentant qu'elle-même, n'ayant aucune légitimité à parler au nom de l'Algérie et des Algériens, et que donc il y avait un conflit vif entre notamment les forces du Congrès musulman et les oulémas et ce représentant du clergé officiel. Donc le gouvernement général n'hésite pas à accuser d'emblée les oulémas et en particulier leur principal représentant à Alger, le cher Tayeb El-Oubi, qui anime un endroit très important dans ce moment d'intense mobilisation civique, qui est le Cercle du Progrès, qui est situé sur la place du gouvernement, aujourd'hui place des Martyrs à Alger, et qui regroupe depuis la fin des années 20 toute une série d'associations créées à des fins éducatives, sociales, culturelles, de dialogue
interreligieux également, toutes ces associations étant créées par des notables de la Casbah, mais qui, dans ce nouveau climat politique du Front populaire, vont prendre un relief nouveau. Donc, le gouvernement général lance cette accusation sur la base de dénonciations qui s'effondreront dès les premières confrontations chez le juge d'instruction, mais cette provocation politique de sa part porte ses effets, puisqu'en réalité, par une accusation sans preuve, l'administration arrive à faire éclater le congrès musulman, puisque deux jours plus tard, le docteur Menjeloul, de la Fédération des élus, qui était le président du congrès musulman, dénonce ce qui s'est passé, dénonce le meurtre du grand mufti, accréditant donc qu'il aurait été d'origine musulmane, et dénonce de même le discours de Messali en renvoyant dos à dos meurtriers et militants nationalistes comme anti-français, perspective qui ne lui semblait pas défendable. Voilà. Et cette histoire du meurtre va durer et dominer la vie politique algérienne jusqu'à 1939, puisqu'il faudra 3 ans pour que les prétendus commanditaires, puisque au cher Taïa El Baloubi, l'administration avait ajouté un autre commanditaire qui aurait été un négociant proche des oulémas, qui était à Bastourki. Donc le procès n'aura lieu que 3 ans plus tard et se traduira par un désastre judiciaire pour l'administration, puisqu'en définitive, ces deux commanditaires supposés seront acquittés. Alors, la rue de la Lyre, pour revenir au lieu, là aussi c'est très intéressant. J'ai dit tout à l'heure que Belcourt, où se situe le stade, était un des rares quartiers, bien qu'à dominante européenne, où se côtoyait de façon séparée, on peut dire, une population ouvrière, populaire, d'origine européenne, avec beaucoup de... une part importante d'origine espagnole, ou maltaise, ou italienne, et des noyaux populaires, aussi ouvriers, d'origine musulmane, qui étaient plutôt sur les hauteurs de Belcourt, là où nous partirons, on le sait, les grandes manifestations de décembre 1960. La rue de la Lyre a un peu ce caractère. Elle a été, vous savez qu'après la conquête, la Casbah, toute la partie qui allait jusqu'à la mer, jusqu'à l'Amirauté, a été détruite pour construire la place du gouvernement et les premiers quartiers européens coloniaux. Et vers 1860, le bas de la Casbah a été entaillé par cette rue à l'européenne, bordée d'arcades, qui tout droit monte vers ce qui est maintenant l'arrière du Grand Théâtre d'Alger, et qui devait être la belle artère européenne qui rejoindrait les développements qu'on envisageait, qui ont eu lieu par la suite avec la rue d'Isly, de la nouvelle ville européenne. Et cette rue qui a été tranchée, donc vraiment très brutalement dans la Casbah, n'a jamais joué ce rôle parce qu'elle était trop étroite, parce qu'elle était en pente, et en fait avait été comme reconquise par la population musulmane, était devenue une grande artère très commerçante, qui se termine d'ailleurs par le marché d'Île la Lyre, derrière le théâtre, et où se côtoyaient aussi les trois communautés, puisque c'était le principal lieu aussi du commerce
du petit commerce ou du commerce de crocs juifs, et que c'était un lieu de très, très, très fréquenté par son caractère commercial, et où la population européenne modeste venait également faire ses courses, comme elle allait faire ses courses rue Babel Oued, par exemple. C'est un lieu très, très intéressant, très, très, qui donne lieu aussi à toute un romantisme un peu noir, parce que c'est un lieu où les populations se mélangent, où l'on suspecte toujours des trafics louches, et le fait que le crime arrive à cet endroit-là renvoie à toutes sortes de fantasmes sur la Casbah, lieu de mauvaise vie, de débauche et de trafic criminel que la littérature et le cinéma colonial se plaisent à entretenir. Donc voilà, ces deux lieux très, très symboliques, chacun à leur manière, sont ceux où se joue tout le drame de ce 2 août 1936. Alors si vous voulez bien, on va retourner au stade. Oui. Et on va suivre un peu donc Messali. Messali arrive le matin et oui. Il a peu de supporters à Alger. D'ailleurs, il est pas très connu puisqu'il a la plupart, son action elle est principalement pour l'instant en France. D'ailleurs, il arrive de France. Et par contre, ça va marquer l'envol de son action et de sa popularité et de son implantation en Algérie. Alors, parlez-nous un petit peu de qui sont ses soutiens. Il y a Mestoul, bien sûr, qui l'accueille, mais autour de lui, il y a très peu de personnes. Et puis, le triomphe qu'il va recevoir va faire en sorte que réellement, on va donner un coup d'accélérateur à sa présence jusqu'à se faire en sorte qu'il devient victorieux aux élections de 37 et de 39, si je ne m'abuse, où son parti réalise les meilleurs scores. Donc un mot sur en quoi ça a permis à l'Étoile nord-africaine, qui devient ensuite le PPA, de réellement prendre son envol. Oui, très bien. Cette journée. Alors, d'abord, c'est la première fois que Messali arrive à Alger. Hein, Messali, il est né à Tlemcen, dans une famille traditionnelle, pieuse, et puis il est parti en France en 1923. Il s'y est politisé, il s'est éduqué, alors qu'il avait reçu à Tlemcen une formation scolaire et fréquenté une zaouïa. En France, il va s'ouvrir à toute une culture historique qui est celle du mouvement ouvrier français. Hein, et en se rapprochant, sans en être membre du PC, en étant très attentif à ce qui se passe au mouvement d'Abdelkrim au Maroc, il se politise et il fait une espèce de synthèse personnelle à travers l'Étoile nord-africaine entre sa culture d'origine, avec laquelle il ne rompra jamais, une culture qu'il a acquise dans une zaouïa, et toute la tradition révolutionnaire et ouvrière du mouvement ouvrier français. Et quand il arrive à Alger, il le dit dans ses mémoires qu'il écrira tardivement, mais qui sont très précises, il ne connaît personne qu'un seul homme, qui est Mohamed Mestoul, qui est un serrurier qui est né dans les tours d'Orovigo, donc sur le flanc sud de la Casbah, un artisan qui est allé à l'école française et qui a en deux occasions a pu venir à Paris en 1930. C'est un voyage privé, on peut dire, amical, qui
il travaille chez un serrurier aussi en France, et il rapporte en Algérie le premier numéro de la Louma. Et c'est comme ça que toute l'histoire commence. Il forme autour de lui ce petit noyau dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se réunit dans le sous-sol d'un café dans le quartier des Tournants au Vigo. Il y retourne en 1934, au moment où l'étoile nord-africaine a connu des progrès, s'est éloigné du PC, et à ce moment-là, il assiste à plusieurs meetings. Il rencontre Messali, il rencontre son épouse française, Émilie Buscan, et il assiste à des meetings où il y a des nationalistes venus d'Indochine ou d'Afrique subsaharienne, et donc c'est pour lui un moment de très grande maturation politique. Donc, c'est donc ce groupe, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont sollicité la venue à Alger pour le meeting du Congrès musulman de Messali, sans penser sans doute qu'il y avait la moindre chance qu'il puisse venir. Mais la décision est prise très vite. Messali, l'avant-veille, était encore présent à un meeting à la mutualité qu'il quitte avant la fin. Des militants chauffeurs de taxi le conduisent à la gare de Lyon. Il arrive ensuite à la Joliette, à Marseille. Là, je vous interromps parce que c'est intéressant. On apprend qu'il y a une liaison Paris-Alger qui est ferroviaire et ensuite qui se poursuit avec un bateau. Donc, mais qui est combiné, quoi, en quelque sorte. Hein. Voilà, il prend donc cette. Par les temps qui courent. Ouais. Bon, voilà. Donc, il arrive avec le ville d'Alger à 6 heures du matin et personne ne sait. Les services de renseignement qui sont au courant de tout ne l'ont pas du tout anticipé. J'ai même retrouvé un rapport de police écrit quelques temps après qui, tellement stupéfait qu'il est. Il est pu venir, dit qu'il est venu en hydravion. Bon, la police n'est pas toujours bien faite. Donc, il est attendu par un petit groupe. Est-ce qu'il est connu des dirigeants des ulémas et des élus? Oui, parce qu'il a tenu à les rencontrer à Paris, à rencontrer la délégation. L'étoile nord-africaine, au départ, a soutenu le Rassemblement populaire qui est devenu le Front populaire. C'était une ouverture importante. Il pouvait y avoir toutes sortes. On va y revenir. Hein, voilà. Donc, c'était pas de discuter avec le gouvernement de Front populaire qui le choquait. Au contraire, mais il est allé les voir, il les a rencontrés longuement dans un café pour essayer de les convaincre de rompre avec ces mots d'ordre de parlement, de députés en France, il les a mis mal à l'aise, mais enfin, il leur a dit, mais comment, notamment vis-à-vis des oulémas, comment pouvez-vous à la fois défendre la personnalité algérienne, qui pour vous est arabo-musulmane, vous lier les mains en vous enfermant dans un cadre qui est le cadre de l'État français. Donc, ils connaissaient ses positions, mais ils l'ont quand même laissé intervenir. Alors, il arrive, ce petit groupe. Il force l'entrée. L'accueille sur le port, le conduisent à son hôtel, qui est le même hôtel que Ben Badis. Donc, ils auront l'occasion l'hôtel du Palais d'Hiver, en face de ce qu'était la cathédrale à l'époque, la grande mosquée. Tu vas voir. Ouais. Quelque chose qui est intéressant, c'est que Messali, alors qu'il a un train de nuit et il est fatigué, tient absolument à aller rue de la Lyre, par hasard, avant le Moufti, pour acheter deux chéchias. Hein. Et ça a beaucoup de sens, deux chéchias. D'abord, pourquoi deux? Parce qu'il est avec sa femme française et son fils, qui n'a que 6 ans, Ali, et qu'il veut non seulement aller au meeting, mais aller avec eux,
Hein, ce qui est très audacieux quand même, parce qu'il n'était pas attendu, il n'était pas bien attendu, et y aller en famille, dans une famille un peu atypique, hein, ça n'allait pas de soi. Et la Chechia est importante, c'est-à-dire que, on peut le comprendre, la Chechia, c'est la Chechia haute, hein, la Chechia Stamboul, était à cette époque et depuis les années 1910, un peu le symbole des musulmans évolués, comme ils disaient eux-mêmes, hein, c'est-à-dire scolarisés, parfois francisés, et qui pouvaient à la fois combiner une tenue moderne, européenne, costume, quelque chose qui y ressemble, et la chechia empruntée aux jeunes turcs d'avant 1910, était une façon d'affirmer son identité musulmane, hein, une certaine tradition, et puis c'était pas le chapeau à la française. Bon, donc il y a beaucoup de symboles dans cette simple chechia, et le fait qu'il la fasse porter à son fils également, hein, ça veut dire oui, je suis algérien, même si je vis en métropole. Ta mère est française. Même si je m'exprime aussi en français, je suis marié à une Française, mais mon fils est algérien aussi, hein, et c'est un peu donné en image, en vêtements, on peut dire, le sens de cette formule très forte politiquement, Parlement algérien ou constituante algérienne, il y a eu les deux formulations, élu au suffrage universel sans distinction de race et de religion. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain de la démocratie universaliste jusqu'au bout. Et au fond, l'indépendance, c'est avant tout la démocratie jusqu'au bout. C'est un mot d'ordre démocratique. Hein. Première des exigences démocratiques, c'est qu'un peuple puisse s'autodéterminer. Voilà. Et, alors, donc il fait sienne les idées de la République. Il les appliquera à la jeune. Voilà. Il les fait siennes au moment même où la République, ça n'est pas encore le cas, mais ça va se démontrer dans les mois qui suivent, précisément, même quand elle fait des promesses, parce que le Front populaire a promis une première extension. Alors revenez là-dessus, parce que les auditeurs ne connaissent pas le contexte. C'est quoi l'arrivée du Front populaire et Blum Violette? Donc qu'est-ce qu'il promet, le Front populaire? En quoi c'est un espoir? Oui, alors, quand la délégation va voir le gouvernement Front populaire, il rencontre Léon Blum, il rencontre Maurice Violette, ancien gouverneur plutôt libéral, plutôt réformiste de l'Algérie, ils n'obtiennent que des promesses vagues, mais celle qui est la plus consistante est au plan politique, un plan qu'avait développé Violette depuis plusieurs années, mais qui deviendra à la fin de l'année un projet officiel du gouvernement de Front populaire et qu'on a appelé à partir de là le plan Blum-Violette. Il s'agissait d'un projet qui peut sembler modeste par rapport à la demande de suffrage universel en Algérie, mais qui consistait dans la suite des premières réformes qui avaient été faites en 1919, à ouvrir à une vingtaine de mille environ d'Algériens d'origine musulmane le droit de vote, avec un élément extrêmement nouveau, sans demande préalable de renoncement à leur statut personnel musulman. Donc, c'était aller dans le sens de la demande du Congrès musulman et ouvrir la perspective, effectivement, d'un renforcement du poids électoral progressif de la communauté musulmane et de la possibilité, donc, d'avoir non seulement des élus dans les
conseils municipaux ou dans les conseils généraux, mais dans le Parlement français. Alors, au fil et à mesure que le gouvernement de Front populaire rencontrera des difficultés politiques croissantes et face à la mobilisation extrêmement forte prenant la forme d'une grève des élus de la part des maires européens d'Algérie, et face à la résistance très forte du gouvernement général à la perspective d'une telle réforme, aussi limitée soit-elle, le plan Blum-Violette suscitera toutes sortes de contre-propositions des Européens d'Algérie et finalement sera abandonné. Ce qui fait que le Congrès musulman perdra beaucoup de son crédit parce qu'il avait lié tout son sort à cette promesse qui s'avérera sans conséquence. Donc la force du mot d'ordre de Messali, de Parlement algérien sans distinction de race et de religion, et de reprendre le flambeau du combat démocratique là où la République, même dans un moment de volonté réformiste affirmée, s'avère incapable de le traduire dans les faits. Mais il ne parle pas d'indépendance, Messali. Il parle d'un Parlement à suffrage universel en Algérie, oui, avec tous les résidents en Algérie, c'est-à-dire juifs, européens, musulmans. Mais sans parler d'indépendance, comment il conçoit un peu les relations avec la France? Alors, il ne me semble pas qu'il ait employé le mot indépendance. Hein? Il a dit « cette terre n'est pas à vendre, Parlement algérien, constituante algérienne, etc. » Personne ne s'y trompe. Quand Benjelloul, dès le lendemain, dit « c'est insupportable, il renvoie des ballons, des meurtriers, c'est anti-français », il a très bien compris. Qu'un Parlement algérien, ce n'est pas les délégations financières, ce pseudo-parlement de notables qui avait été créé en 1900 pour donner une espèce d'autonomie administrative de notables et de notables européens à l'Algérie. Suffrage universel, ça veut dire souveraineté de la majorité. C'est le pouvoir du plus grand nombre. D'ailleurs, donc il trace la route en quelque sorte, il indique un peu l'objectif. Je pense que dans le triomphe, confusément, la population qui était venue pour faire un triomphe au Congrès musulman, ils étaient très mobilisés sur toutes les revendications du Congrès musulman, fiers et enthousiastes que pour la première fois, une délégation ait été reçue à Paris et soit revenue avec des promesses, etc. Ce n'était pas tout à fait la première, mais la première de cette importance. Ils sont venus pour faire un triomphe au Congrès musulman et ils découvrent deux choses. D'abord, qu'il y a une alternative et je pense que cette terre n'est pas à vendre est parfaitement comprise dans ce qu'elle veut dire. Si elle n'est pas à vendre, c'est qu'elle est à nous. Et si elle est à nous, il faut qu'on la récupère. Et c'est la terre. C'est à la fois le territoire, le pays et c'est la terre qui a été expropriée. Donc, il y a ça, et ils perçoivent soudain un autre type de dirigeant, de direction possible. Ils étaient fiers, ils étaient très confiants dans les oulémas et dans les élus musulmans. Mais au fond, c'était pas des types de figures dans lesquelles la partie la plus populaire, qui faisait le gros du public du meeting, se reconnaissaient vraiment. C'était autrement. Les chers qui dirigeaient les oulémas inspiraient le plus grand respect, mais ils étaient des figures de savants, de chers, dans lesquels l'Algérien de la Casbah ne se reconnaissait pas immédiatement. Et les élus qui étaient des évolués, comme ils disaient eux-mêmes, éduqués, scolarisés, francisés, parfois libres penseurs, étaient considérés comme des notables modernes, auxquels on reconnaissait une grande combativité, qui avaient une réelle popularité,
On ne doit pas sous-estimer ce que représentait Ben Jelloun au plus profond du Constantinois. Tout le monde le connaissait et il suffisait qu'il lance un mot d'ordre pour qu'il soit repris. Il s'est passé dans ce congrès avec Messali une scénographie, une liturgie, quelque chose qui était entièrement neuf et où a dû s'exprimer, enfin on peut le comprendre, l'imaginer, le restituer, une synthèse symbolique extraordinairement puissante entre toute une tradition musulmane populaire maghrébine qui ne se réduisait pas au culte superstitieux des saints que les oulémas combattaient chez les confréries comme étant des dévoiements de la pureté de l'islam originel, mais un mysticisme qui se développait à travers les aouïas dans un islam populaire qui pouvait se reconnaître dans ne serait-ce que cette gestuelle de la poignée de terre. Hein, ça renvoie à des tas de choses dans l'islam, ce que représente la main, la terre, le chiffre 5, la baraka, et puis cette perspective millénariste qui habitait chacun des Algériens de l'époque, qu'un jour viendrait où le maître de l'heure leur rendrait leur dignité contre tous les envahisseurs successifs et contre tout ce qui leur avait fait perdre leur... Mais vous ne pensez pas que c'est également dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on avait... voilà, c'était l'heure maintenant de la décolonisation qui arrivait, l'histoire sonnait à la porte. Oui, et il a lancé justement, ça a été le coup d'envoi de cette période décoloniale. Sous une forme symbolique. Oui, absolument. C'était très, et en même temps, parce que le geste même du poing avec la poignée de terre, c'est plein d'autres choses. C'est l'index dressé des musulmans pour affirmer l'unicité d'Allah, mais c'est aussi le point levé. Derrière ces mots d'ordre, il y a toute une culture à la fois de la démocratie républicaine et du mouvement ouvrier. C'est le moment, ces années 30, où le stade devient un lieu politique parce que l'hitlérisme en a fait un lieu de grand spectacle politique et que le mouvement ouvrier... Sur 36, les Jeux Olympiques. Qui devait opposer sa propre symbolique l'a fait volontiers dans des grands lieux publics comme ça, comme les stades, et a opposé au salut fasciste, a retrouvé ce vieux symbole ouvrier du point levé. Le discours de Messali agit sur tous ces registres et il fait appel aux fondements les plus anciens de la fierté musulmane bafouée par la situation coloniale, et il est dans la modernité, effectivement, du combat ouvrier et du combat anticolonial qui commence à prendre ses formes modernes. Et je pense que le triomphe très instinctif que la foule lui porte à ce moment-là reconnaît sans doute confusément, hein, mais tous ces signaux, et perçoit qu'une voie nouvelle est ouverte. Alors, le mot d'indépendance n'est pas prononcé, mais... Il est sous-jacent. Personne ne s'y trompe. Les rapports de police ne l'interprètent pas comme ça, mais il y a dans les archives des rapports de police où, en face de parlement algérien au suffrage universel, en écriture rouge, le lecteur, peut-être le gouverneur général, a écrit « insupportable », point d'exclamation. Et d'ailleurs, l'administration ne s'y trompe pas. Alors, je disais, ça va être le point de départ de l'implantation de l'étoile nord-africaine, puis du PPA, en Algérie, jusqu'à aller
aux victoires électorales 37-39, mais comme vous le disiez, l'administration ne s'y trompe pas et va payer cher donc sa popularité et ses positions, puisqu'il va y avoir des arrestations de lui, puis après de ses supporters. La répression va s'abattre durement, je crois, sur lui et sur le PPA. Alors, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors, Messali reste après le meeting en Algérie jusqu'à novembre, hein, donc tout l'automne, et retourne à Tlemcen. C'est très important pour lui, d'autant plus que les oulémas y ont délégué le cher El Ibrahimi, qui les représente là-bas, et que, bon, Tlemcen est une ville de culture, une ville pieuse, où les aouyas sont, et les confréries sont puissantes, et où il y a déjà enfin, c'est le deuxième noyau avec Alger, de lecteurs d'Alouma et de militants de l'Étoile nord-africaine. Et la venue de Messali est extrêmement importante, et en même temps, il y mesure la puissance de la confiance qui a été placée dans les oulémas, que leurs messages qui font appel quand même un retour de fierté à la personnalité musulmane, se recouvrent très largement, et que c'est une véritable lutte pour la confiance de la population pour imposer une autre orientation politique qui s'en distingue, comme ça a été fait au Congrès. Ensuite, Messali va faire une tournée à la fois dans des villes où les oulémas et le Congrès musulman avaient prévu une série de réunions publiques. Il en aura certaines où il se confrontera directement avec eux dans des conditions qui seront assez difficiles. Et puis il fera une tournée en Kabylie avec quelques musulmans, quelques militants algérois d'origine kabyle, comme Rabah Messaoui notamment. Et donc, parce que dans l'immigration, il y avait une forte proportion de kabyles, d'ailleurs à l'école de l'Étoile nord-africaine. Oui, et puis les militants algériens, les marches, etc. Ce qui est la Casbah. Bon, et il rentre en France en novembre. La situation est assez compliquée. L'Étoile nord-africaine est traversée de débats, notamment sur l'attitude à avoir vis-à-vis de la situation en Espagne, où la guerre civile a commencé avec le putsch de Franco, qui a lieu lui aussi au début de l'été 36. Mais très vite, il va comprendre que l'enjeu maintenant est en Algérie même, et va décider d'y revenir et d'y implanter l'Étoile nord-africaine de façon beaucoup plus organisée. Ça va lui poser beaucoup de problèmes, bien évidemment, parce qu'il n'est pas accueilli ni par l'administration, ni par les oulémas, ni surtout par le PCA. Enfin, le PC avait cédé. La région algérienne du Parti communiste français se transforme formellement à l'automne 1936 en Parti communiste d'Algérie, PCA. Et pour eux, se sont engagés dans le soutien au Front populaire, ils retournent complètement leur attitude sur la question nationale et décide de combattre frontalement l'implantation de l'Étoile nord-africaine, qu'il dénonce volontiers comme pro-fasciste, de même que lorsque l'Étoile nord-africaine se transforma en PPA,
Ils joueront sur les mots « Parti du peuple algérien » et « Parti populaire français », qui est une formation, la formation fasciste dirigée par Jacques Doriot, en essayant de faire un amalgame entre les deux. Il reste que dans le souffle du meeting du 2 août, l'étoile nord-africaine commence à se structurer véritablement comme une organisation, plus comme un groupe de simples diffuseurs du journal, à Alger, dans la Casbah, à Belcourt et dans toute la périphérie jusqu'aux villes de la Mitidja, où il y a des petites concentrations ouvrières ouvertes à ce discours, à Tlemcen et ailleurs en Algérie. Ceci dit, ce développement inquiète et dès février 37, c'est-à-dire à peine 6 mois après le discours du 2 août, le gouvernement de Front populaire, avec l'acquiescement ou sur la demande du PCA, interdit l'étoile nord-africaine. Et vous savez que l'étoile nord-africaine se reconstitue à Nanterre en mars suivant. C'est là qu'elle adopte le sigle de parti du peuple algérien, PPA, qu'elle conservera jusqu'en 1937. C'est ce sigle qu'elle va s'organiser en Algérie. À Alger même, Messali préside l'étoile nord-africaine, puis le PPA. Il a pour adjoint Moufti Zakaria, poète, auteur de l'hymne du PPA, puis de l'hymne du FLN, continue son développement. Ce qui est important, c'est que le congrès musulman a été terriblement affaibli au lendemain du congrès. Le départ de Benjelloul a cassé sa dynamique unitaire, mais il reste, ses différentes forces restent portées par les promesses du Front populaire et la promesse du plan Blum-Violette, sur lesquels ils fondent tous leurs espoirs et sur lesquels s'organise toute leur propagande. Et ils sont donc portés par cette dynamique. Le PCA connaît un fort développement, notamment parmi la population d'origine musulmane. La lutte sociale connaît une très forte croissance de son électorat. Et ce mouvement ascendant connaît son sommet au moment des élections municipales qui ont lieu en juillet 1937, où une liste d'Union populaire, qui correspond à peu près aux forces du Congrès musulman et où le PCA est très important, remporte la totalité des postes au conseil municipal, enfin de la liste indigène, au conseil municipal d'Alger. C'est ainsi que Ousgane, le jeune dirigeant d'Alger, entre au conseil municipal. Et c'est finalement au fur et à mesure que la volonté de réforme du Front populaire va s'avérer vaine et où tous les signes seront donnés de l'abandon progressif du plan Blum-Violette, que le PPA va s'affirmer. De ce point de vue-là, un moment extrêmement important est le 14 juillet 1937, où pour la première fois dans une manifestation, le PPA défile sous son propre drapeau, et ce drapeau est pour la première fois en terre algérienne le drapeau algérien qu'avait dessiné
l'étoile nord-africaine. Cousu apparemment, d'après la légende, par Émilie Buscan. Sans doute par sa propre femme, Émilie Buscan. Drapeau vert avec l'étoile et le croissant blanc. À l'époque. Et, cela crée une émotion considérable. Des rapports et la presse décrivent que des pans entiers du cortège syndical quittent les syndicats pour rejoindre le drapeau du PPA. C'est une situation intolérable parce que qui témoigne d'un renversement réel. Ça rejoue ce qui s'était joué au Congrès avec le triomphe, et ça le rejoue dans la rue. Au stade. Oui. L'administration laisse faire, la police n'empêche pas qu'ils sortent le drapeau, c'était accepté. Non, il y a des photos où on le voit, il y a des photos publiées dans l'ouvrage. Ouais. C'est pas dans le cortège, c'est quand ils se préparent. Il n'y a pas d'affrontement. En revanche, ce qui se prépare, c'est pendant tout l'été, une campagne à boulet rouge dans la lutte sociale, qui dont je parlais tout à l'heure, dénonçant le PPA comme allié des fascistes. Ouais. Et ce qui prépare directement à la fin du mois, l'arrestation de Messali et de Moufdi Zakaria et de tous les dirigeants algérois du PPA. Sous quel chef d'inculpation ? Pouvait se permettre. Alors, toutes ces inculpations à l'époque se fondent sur le décret qu'on appelle le décret Régnier, qui avait été pris en 1935 par un ministre de l'Intérieur radical et qui criminalisait en Algérie les atteintes à la souveraineté nationale. Bon. Donc c'est un motif qui sert à tout et qui là n'était pas tout à fait justifié, puisque à l'évidence. Le PPA se battait pour une souveraineté différente. Donc cette arrestation interrompt aussi la publication d'un premier journal en arabe qui ne connaît que deux numéros, Echab, Messali sera emprisonné jusqu'à 1939, avant de l'être à nouveau d'ailleurs quelques mois plus tard à la déclaration de guerre. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là s'opère le retournement, un retournement spectaculaire du rapport de force électorale, puisque aux élections cantonales, je crois, d'octobre 37, la combinaison de la déroute des promesses du Front populaire et de la répression, qui finalement fait de martyrs les dirigeants du PPA, les désignent comme des dirigeants légitimes pour la grande masse des Algériens musulmans, à ces élections, dans un collège électoral qui est la liste indigène qui reste restreint, le rapport de force se renverse complètement entre le PCA et le PPA, qui a des scores très, très, beaucoup plus importants, alors qu'aucun des grands dirigeants n'y sont candidats, puisqu'ils sont emprisonnés. Et ça se confirme encore en 1939, à une élection partielle à Alger, où le PPA présente un des militants Tramino, chauffeur de tramway ou employé des tramways, c'était une base sociale extrêmement importante pour le PPA dans cette période. Ça a même constitué le noyau de son. Pour le PCA, tu veux dire, pour le PCA ou le PPA? Non, pour le PPA, pour les deux. Le PPA. C'était des petits artisans ou commerçants de la Casbah. Coiffeurs, serruriers, épiciers, etc. Et les traminaux, notamment de la ligne populaire de Bellecour, les chemins de fer sur route d'Alger. Donc il présente un de ses militants qui s'appelle Mohamed Douar, qui est élu.
Et l'administration coloniale n'étant pas une brutalité et une maladresse près, invalidant bien évidemment l'élection pour y désigner un candidat plus proche de ses vues. En tout cas, ça confirme que à la veille de la guerre, le PPA s'affirmait comme le noyau nationaliste qui avait pris toute sa place en Algérie. Christian, on va maintenant refaire un tour du côté de la Casbah et de la rue de la Lyre. Oui. Donc pour essayer de comprendre un peu l'énigme. Donc, oui. De l'assassinat du Moufti Kaouli. Et donc, raconte-nous un petit peu comment le procès a eu lieu, les rebondissements, et puis surtout peut-être les différentes versions qui ont été avancées par les uns et les autres, et en quoi elles pouvaient servir les intérêts des uns et des autres. Alors, d'abord, c'est pas simplement une anecdote criminelle. Enfin, c'est un crime de sang. Hein. C'est un notable important qui est tué en pleine rue. Ce n'est pas rien, mais bon, si c'était simplement une énigme criminelle, je n'y serais peut-être pas tellement intéressé. Elle a une portée politique. Ça a une portée, d'emblée, elle a une portée politique, quelle que soit la nature du crime, parce que le gouvernement général en fait l'objet, le vecteur de cette provocation que j'ai décrite tout à l'heure en accusant une des principales figures du réformisme musulman à Alger. D'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, mais ça serait bien d'avoir de décrire un peu l'Orbi. Tout le monde ne connaît pas Cheikh l'Orbi. C'est un personnage central au sein du Congrès musulman, des ulamas. Il joue un rôle important en 1936. Il a beaucoup de soutien, de supporters sur Alger. Il est l'un des artisans du dialogue interreligieux. C'est l'animateur du centre Tarqi. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Alors, Tayeb El Ogbi, il est originaire d'El Ogba, d'une famille traditionnelle d'ascendance zaouïa, qui est près de Boussada. Mais il a passé son enfance et sa jeunesse en Arabie saoudite, enfin en Arabie, c'est pas encore l'Arabie saoudite, et il y est resté jusqu'à 1920 en y jouant, d'abord en ayant une formation musulmane très poussée et en jouant un rôle d'influence. Et il rentre à Boussada en 1920. Et c'est un prédicateur extraordinaire. Il ne s'exprime qu'en arabe classique, avec un verbe extrêmement saisissant, y compris pour la masse populaire, dont il sait très bien se faire comprendre dans une langue qui pourtant est très flamboyante. Et ce sont des notables algérois qui lui propose au début des années 30 de prendre la direction du Cercle du Progrès qui avait donc été fondé en 1927. Et c'est une personnalité extrêmement en vue à Alger et qui a une véritable aura populaire parce qu'il a une approche extrêmement active de l'éducation et de l'entraide sociale dans l'idée que les musulmans et notamment les musulmans les plus pauvres doivent reconquérir leur dignité et on doit les aider à le faire par l'éducation, par l'accompagnement social et en leur offrant accès à des activités non seulement culturelles, mais aussi sportives, éducatives, etc.
Il a sur la question d'ailleurs des idées où la tradition musulmane qu'il entend relever dans sa dignité rejoint la modernité. Il ne craint pas de parler d'une européanisation, mais il entend par là un accès à la modernité dans les modes d'éducation, de vie, de développement personnel, etc. Il est par exemple très attentif à l'éducation des petites filles, pour lesquelles il ouvre des classes spéciales et accorde beaucoup d'importance à toutes les activités sportives. Ce qui fait que le cercle du progrès, à cette époque et jusqu'à l'indépendance en réalité, sera le lieu où se tiendront énormément d'activités et d'événements fondateurs. Le Mouloudia a pendant une période partagé ses locaux dans le même immeuble que le Cercle du Progrès. Les scouts musulmans ont été fondés au Cercle du Progrès, comme le seront en 1957, par exemple, d'autres associations nationalistes comme l'Union des commerçants algériens ou ce genre d'associations qui rejoindront le FLN. Voilà, donc ça c'est la personnalité du cher Lobby, à la fois un mystique, un être d'une grande spiritualité et qui a su à la fois s'ouvrir à la modernité et se donner une véritable aura populaire, ce qui veut dire qu'il est entouré aussi de toute une couche de proches qui lui sont dévoués, qu'il appelle parfois son armée bleue, il le dit en arabe, parce que ce sont des dockers ou des ouvriers qui s'emploient comme ils le peuvent jour par jour sur le port ou dans les fabriques, et parfois à la limite du milieu ou de la pègre, ou tenter de décider, mais qu'il essaye de ramener par l'éducation et à une vie qu'il considère comme plus digne. Alors, dans cette ouverture d'esprit du cher Lobby, il y a aussi ce que tu as évoqué, c'est le dialogue interreligieux. Il fonde une union des religions monothéistes, ce qui est quand même une idée extrêmement forte dans l'Alger d'ensemble, et qui a toute une activité de conférences, de rencontres, où on débat des choses les plus diverses, et auxquelles s'associe aussi bien la communauté juive, notamment à travers une personnalité qui s'appelle Elie Gozlan, que des catholiques plutôt ouverts à un tel dialogue, notamment Jean Sel et son épouse Jeanne Selmy, une architecte importante. Voilà. Donc, l'accusation portée contre lui par le gouvernement général est particulièrement audacieuse. Elle se fonde sur rien, des dénonciations dont il s'avérera. Je t'interromps, Christian. En fait, l'administration, elle essaie de tirer parti de ce crime, et donc oui. Elle monte un dossier. Donc elle incrimine Abbas Turki et lui-même. Donc je pense qu'ils choisissent bien leur cible. Ils montent un dossier avec trois présumés coupables. Et ils vont chercher des prostituées pour comme témoins.
Enfin, bref, tout ça est bien monté et ficelé. Après, ça résiste pas, bien sûr, au procès. Tu vas nous raconter un peu tout ce scandale. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est comment l'administration est réellement a saisi cette opportunité pour faire un coup. Et un coup qu'elle a, dans l'immédiat, réussi. Mmh. Puisqu'elle a fait quand même éclater le Congrès musulman. Oui, musulman, c'est ça. Bon. Mmh. Alors, le procès n'a lieu que 3 ans plus tard, parce qu'entre-temps, les dénonciateurs s'étaient rétractés lors des premières confrontations. El Ogbi et Abbas Turki, qui avaient été emprisonnés de façon très violente et à grand spectacle, ça faisait partie de la mise en scène, pouvaient être libérés au bout de quelques jours. Le juge d'instruction finit même au début de 1937 par prononcer contre eux un non-lieu. Mais la famille de la victime s'était portée civile. La cour de cassation casse le non-lieu. Et finalement, le procès est porté devant la cour criminelle au printemps 1939. Alors, je t'interromps, excuse-moi, mais ce que j'apprends, enfin, ce que je ne connaissais pas, en tout cas pas à ce point, c'est toute la violence et le caractère, c'est-à-dire l'utilisation de méthodes de torture même, hein, de méthodes poussées par la police, donc dans ses interrogatoires vis-à-vis des prévenus musulmans. Hein. C'est vraiment. Oui, alors. On n'est pas à ce que ça soit aussi. Il se trouve que le procès, effectivement, tourne à la débandade pour l'administration et pour le parquet qui devait requérir contre les. C'est un procès qui s'éternise. Il y a des avocats en grand nombre pour défendre aussi bien les exécutants supposés, ceux qui avaient dénoncé avoir été commandités par El Ogbi et Abbas Turki. Donc il y a une dizaine d'avocats dont on retrouve l'admiral Abdelkader Adou, le plus grand pénaliste d'origine musulmane à cette époque, et puis toute une série d'avocats, dont Ahmed Boumengel, qui d'ailleurs était aussi l'avocat du PPA dans cette période. Et le défilé des témoins est lamentable, on voit que tout ça repose sur aucune preuve, et surtout, les avocats retournent devant un dossier qui était vide, retourne l'accusation contre la sécurité sur la façon dont avaient été conduits les interrogatoires. On a la chance d'avoir, donc, avec le compte-rendu de Camus, un détail quotidien de ce procès. C'est absolument saisissant parce que la torture n'est pas quelque chose qui nous surprend en Algérie, mais on l'identifie tellement aux circonstances d'extrême violence de la guerre d'Algérie. De la bataille d'Alger, de l'armée, des pouvoirs spéciaux à partir de là. Et on découvre la police. On sait qu'en réalité, c'était une espèce de routine. Mais avec l'électricité aussi. Camus dit l'eau, l'électricité et la cravache n'obtiennent pas des demi-aveux, mais des aveux complets. Voilà, exactement. Camus s'est indigné sur d'autres affaires. Ce qui est intéressant, c'est que on emploie déjà le mot de la question, qui est la façon banale dont l'administration. Il y a la question extraordinaire, c'est un peu plus dur quand c'est plus politique. Et les méthodes sont exactement les mêmes, hein. L'eau, l'électricité, enfin, tout l'arsenal. Donc ça, c'est un peu. Et ça crée quand même un certain malaise, si bien que, sans doute pour d'autres raisons, finalement le procès se termine par un verdict complètement contradictoire, puisque les 3 supposés exécutants sont condamnés, pas à mort, mais à de lourdes peines de bagne. Perpétuité pour
Oui, à perpétuité. Tandis que les deux supposés commanditaires sont acquittés et que Susini, quelqu'un qu'on retrouvera, Paul Susini, le procureur général qu'on retrouvera au moment de la guerre de l'Algérie, qui est allié à la famille Bourgeot, donc qui est quand même un représentant du grand colonnat, renonce publiquement à requérir contre Alegbi et Abbas Turki en disant « ma conscience ne me donne pas la conviction suffisante pour que je demande qu'il soit condamné ». On est donc dans un procès qui se termine en queue de poisson, de façon un peu scandaleuse d'ailleurs, parce que comment peut-il y avoir des exécutants d'un meurtre qui sont de simples exécutants dans les commanditaires. Mais dont les commanditaires supposés sont acquittés. Alors, échappent au règne quand même, ils échappent à Cayenne. Hein. Ça, c'est important de c'est intéressant. Oui, le dernier transport à Cayenne de 1938, c'est celui qu'a décrit Camus dans un autre article de l'Algérie républicain. La transportation est supprimée à ce moment-là. Il est probable que les exécutants, enfin, on sait que les exécutants ont en fait purgé leur peine à l'arrache. Hein. Donc ce procès se termine sur un grand malaise. Camus exprime dans un article qu'il n'a pas signé mais dont on peut reconnaître sa conviction de l'innocence et des commanditaires et des exécutants et se proposait de poursuivre campagne jusqu'à obtention de la pleine vérité, ce qui n'a pas eu lieu parce que la déclaration de guerre est intervenue et que les cartes ont été rebattues, bien évidemment. Alors, il reste que, au fond, depuis ce moment-là, c'est-à-dire ça fait plus de 80 ans, la question était restée obscure. Et je le répète, elle est intéressante parce que c'est devenu une affaire politique, quelle qu'ait été l'origine du meurtre, et il n'est pas indifférent. De savoir, malgré tout, si c'était par exemple un meurtre privé, une coïncidence très, très habilement exploitée par le gouvernement général, si c'était un meurtre politique, si c'était un meurtre d'origine européenne ou un meurtre d'origine musulmane. Ce sont les questions que l'on peut se poser, que l'on doit se poser. Mais au fond, l'embarras était tel que... On en est resté sur ce qu'avaient été les polémiques qui s'étaient développées de 1936 à 1939, où chacun des camps accusait l'autre d'un complot, hein, d'être à l'origine d'un complot, sans que ces théories opposées, ni l'une ni l'autre, arrivent à entraîner vraiment la conviction, si on les examine d'à peu près, du côté de l'administration. Il y avait cette accusation qui s'est effondrée, c'est un complot. Les musulmans, le Congrès musulman a voulu se venger de Kaoul qui avait envoyé le télégramme les dénonçant au gouvernement de Front Populaire. C'est donc une vengeance un peu expéditive contre un ennemi politique. Bon. C'est un peu difficile à tenir. Ça a été démenti au moment du congrès. Mais finalement, les historiens ont continué à tourner autour et pour ceux qui n'étaient pas ouvertement dans la ligne de l'histoire coloniale traditionnelle, qui essayaient de jeter un regard neuf, ils s'en sont tenus à l'idée de la provocation administrative, sans trop dire de quoi il parle, parce que c'est une chose de dire que l'administration
à exploiter une situation avec habileté et avec le risque que ça se retourne un peu contre elle à la fin, et d'une autre de dire que, opposé à la théorie du complot, une théorie du complot où le gouvernement général aurait, pour créer des difficultés aux forces politiques indigènes, décidé d'organiser lui-même l'assassinat sanglant d'un de ses principaux alliés dans la communauté musulmane. D'ailleurs, aucun historien n'est allé jusqu'à affirmer ça noir sur blanc, ni n'a pu trouver aucun élément d'archives qui aille dans ce sens. Alors après, il y a eu d'autres théories jusqu'à nos jours, notamment qu'il s'agissait d'une affaire privée, d'une vengeance, d'une affaire de mœurs, enfin, tout ça étant où, au procès, les avocats ont pu évoquer, pour sauver la mise aux accusés, d'un complot international dans une période de tension, arrière-plan de la guerre d'Espagne, le développement du nazisme, etc., que ça pouvait être une action anti-française de la part d'un État étranger. Tout ça ne reposant sur rien que des suppositions. Alors, le débat était déjà confus, un peu embarrassant, parce que chacun s'en tenant à des propos vagues et sans aucun support d'archives. Et la confusion a été portée à son comble en 1970 par un retour inattendu qui était la publication par un ancien dirigeant du FLN, ancien co-rédacteur de la plateforme de la Soumam, donc ce n'est pas rien, Mohamed Lebjaoui, qui était lui aussi un négociant de la Casbah, qui avait soutenu, financé le FLN et fait partie de ses dirigeants algérois, et qui, après avoir rompu avec le régime en 1965, publie un livre en France, chez Gallimard, « Vérité sur la révolution algérienne », où il revient sur toutes sortes d'épisodes, mais centré sur la guerre d'Algérie, et qui quand même est un livre qui mérite d'être regardé de près, puisque on y trouve, par exemple, pour la première fois dans un livre écrit par un dirigeant nationaliste, un rétablissement de la vérité sur la mort de Aban Ramdan, le dirigeant du FLN assassiné à la fin de 1957, et dont il dit pour la première fois, et contre un mensonge d'État qui perdurait depuis lors, qu'il n'avait pas été tué par l'armée française au combat, mais c'était un règlement de compte décidé contre le principal rédacteur de la Charte de la Soumam par d'autres dirigeants du FLN. Bon, et dans ce livre, donc, qui mérite quand même un peu d'être pris en considération, il y a une très curieuse annexe qui n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, où Lebjaoui, qui n'a pas connu cette période, mais qui a été très proche par la suite, parce qu'il était trop jeune, mais qui a été très proche par la suite et du Cercle du Progrès et du PCA, en deux pages, dit « j'ai appris la vérité sur ce meurtre du grand Mufti, et je dois dire à la vérité que El Ogbi était bien le commanditaire de cette action. » Alors, c'est très étrange. C'est d'autant moins convaincant que, alors qu'il ne s'est dit qu'en deux pages, il y a quelques erreurs manifestes. Le meurtre est situé en 1937 et pas en 1936. Et l'explication donnée est que El Ogbi avait décidé
d'en finir avec une situation politique dont ils trouvaient qu'elle n'évoluait pas suffisamment vite, et dans un projet insurrectionnaliste, avaient décidé d'en appeler à l'opinion par cette vengeance qui était particulièrement visible. Bon, c'est quand même très étrange. Vous avez vu que la personnalité de Lockby n'était en rien insurrectionnaliste. C'était un homme de dialogue, de confiant dans les possibilités de la démocratie, à tort ou à raison, sur la question algérienne, et qui, au contraire, avait la plus grande méfiance vis-à-vis des jeux politiciens. Il avait participé à la délégation du Congrès musulman à Paris en 1934 contre son gré, parce qu'il avait vraiment été supplié par tout son entourage, parce qu'il ne voulait pas se mêler directement de politique. Donc cette thèse de l'Ebjaoui n'est pas convaincante. Elle n'a d'ailleurs à l'époque été reprise que par des historiens ou primitifs français qui ont vu une occasion d'attaquer le mouvement de libération nationale en disant, vous voyez bien que la violence aveugle et la vengeance personnelle est dans sa tradition depuis l'origine. Plus récemment, des historiens peu attentifs ont aussi considéré comme établi que El-Ogbi était bien l'instigateur de ce crime, mais c'était là aussi à l'appui d'une polémique dirigée contre les origines du FLN, qu'il s'agisse, enfin, je ne vais pas les citer, vous trouverez ça dans le livre. Mais Ousgane aussi va soutenir cette thèse. Quoi ? Ousgane aussi va soutenir cette thèse. Ça, à l'époque, troublait les Camusiens, parce qu'au fond, ils se sont dit, les proches de Camus, c'est-à-dire ceux qu'il avait connus, y compris à cette époque, au PCA, ou dans ces mobilisations de cette époque, ben, finalement, si on a défendu un coupable, c'est un peu embêtant. On a pu le faire honnêtement, mais ce n'est pas la même chose. Et l'un des plus proches amis de Camus, Charles Poncet, qui a été aussi à l'instigation de la trêve civile, a voulu en avoir le cœur net et est allé en parler à Ousgane, qui donc était dirigeant du PCA, qui avait connu Camus à l'époque et qui avait participé au congrès musulman, il connaissait toute cette affaire, pour lui demander ce qu'il en pensait. Et dans une correspondance, ça n'a pas été rendu public, Ousgane a fait une réponse très ambiguë, à la fois disant pique-pendre sur le témoignage de l'Ebjaoui, en disant que c'était absurde, que jamais El-Ogbi n'avait été insurrectionnaliste, que tout ça était des inventions pour se rendre intéressant. Donc, critique assez sévère, alors qu'ils étaient proches parents. Hein. Mais finalement, de façon très subtile, très compliquée, comme Ousgane ses lettres dans tous ses écrits, bâtissant toute une série d'hypothèses pour un scénario qui finalement était un très vaste complot qui réconciliait toutes les théories, où le gouvernement général aurait poussé le moufti à envoyer son télégramme pour semer l'indignation du côté des oulémas, pousser celle-ci à faire un acte irréparable contre Kaoul et enfin exploiter la situation. Alors, c'est très habile. Ça suppose beaucoup de coïncidences, ça n'explique pas tout, notamment que ça se soit si mal terminé au procès et que tout se soit effondré. Et
Voilà, tout ça m'a laissé l'impression qu'au fond, Leib Jaoui et Ousgan, qui avaient connu, enfin, Ousgan avait connu toute cette histoire, avaient eu leur cheminement vers le FLN, puis hors du FLN, en oppositionnel après 65, voulaient dire quelque chose sans le dire. Donc, il y avait un peu de vrai, un peu de poudre aux yeux, et qu'au fond, ce qu'il disait, c'est que, ben oui, il y avait eu exploitation par le gouvernement général, mais que, sans doute, c'était bien un geste politique d'origine musulmane. Bon, après, El Ogbi, pas El Ogbi, El Ogbi était mort. Il était de toute façon un homme plus solitaire à la fin de sa vie. Il n'était pas là pour se défendre. Et puis, s'il savait autre chose, il ne pouvait pas le dire, il ne voulait pas le dire. Hein? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez révéler votre version, celle qui, sur laquelle vous penchez. Mais effectivement, ça vient aussi à travers Ousgan, qui j'avais du mal à croire à ce que vous relatez. C'est-à-dire qu'il est pris en quelque sorte en autostop, en tout cas, il est pris en voiture par votre interlocuteur. La thèse vers laquelle vous semblez accueillir. Ça ne s'applique pas que là-dessus. Parce que Ousgan est un très grand dirigeant politique et une personnalité très subtile sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, avait des façons de raconter les histoires qui étaient variables selon les interlocuteurs. Hein. Voilà. Et oui, se trouve que ça recoupe sa dernière. Voilà, il faut savoir les recouper et là, avoir. C'est un travail qui est intéressant. Bon. Voilà. Simplement, j'ai effectivement eu de nombreux entretiens que j'ai pu recouper à Alger sur des personnes qui pouvaient avoir entendu parler de cette question, notamment la famille d'Abbas Turki lui-même. Hein, deux de ses fils qui ont bien connu leur père jusqu'à la fin de sa vie. Et qui eux-mêmes ne s'intéressent pas directement à cette préhistoire de leur propre vie, mais qui m'ont notamment permis de consulter un écrit qu'Abbas Turki a écrit à la fin de sa vie en arabe, qu'il a fait traduire en français par un ancien membre des oulémas, et qui est un écrit d'autant plus intéressant qui n'était pas destiné à la publication. Hein. C'est quelqu'un qui donne à ses enfants ce qu'il veut transmettre de son expérience qui avait traversé tout le siècle. Un enfant pauvre devenu mieux. Un important négociant soutient les oulémas, puis du FLN, puis ayant pris la distance après l'indépendance et ce qu'elle était devenue. Notamment cet élément, il y en a d'autres qu'on trouvera dans le livre, m'amène à la conviction que j'exprime avec beaucoup de prudence, hein, parce qu'on peut se tromper en pareille matière, et que l'intérêt, c'est pas de donner les noms, hein, parce que c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de quoi il s'est agi. Hein. On peut reconstituer l'histoire, et là, il y a des recoupements d'archives qui permettent de l'accréditer, comme le fait que ça a été non pas. Parce que quand on parlait de gestes politiques, on disait complot. Hein, c'est gestes politiques collectifs, organisés, soit par l'administration, soit par telle ou telle force. En fait, ma conviction, c'est qu'un jeune militant, pas des moindres, de l'époque, mais tout jeune, qui faisait partie des jeunesses du Congrès musulman, était un militant actif dans la Casbah, familier du cercle du progrès, comme beaucoup de ces jeunes militants, était indigné. Son indignation par le télégramme, parce qu'il s'était passé,
son indignation a été portée au comble par ce qu'ont été les articles dans la presse des oulémas, ou proches des oulémas de l'époque, notamment dans la justice. Les déclarations de Cheikh Orbi, quand même, qui disait que, qui considérait qu'il y avait de la traîtrise, non ? Oui, bien sûr. Il avait de l'influence, parce que Cheikh Orbi avait donc, ça revient à l'influence qu'il avait. Individuel à considérer, de conséquences politiques plutôt très négatives, vu ce qui s'est passé, et qui ensuite a été couvert par le silence de ceux qui savaient. C'est important parce que dans le texte dont je parle d'Abbas Turki, il raconte, sans donner le nom lui non plus, et je pense que le nom était facile à comprendre pour ses lecteurs de sa famille à l'époque, il dit que ce jeune militant, qui était devenu par la suite un militant le plus chevronné et qui a eu toute son histoire dans la vie politique algéroise, était venu le voir quand il avait 80 ans, c'est-à-dire 45 ans après les faits, pour lui dire ce qui s'était passé et s'en excuser un petit peu. Hein. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une certaine, concordance à cette... à cette version que j'ai pu recouper avec quelques éléments d'archives. Voilà. Mais ce n'est pas le plus important du 2 août 36. C'est important pour qu'on en ait la compréhension complète et aussi pour une réflexion sur les différentes formes de la violence politique dans l'Algérie au long des décennies. Hein. Et voilà. On va peut-être, merci beaucoup Christian Féline, finir avec la grande histoire et un peu sur le... Parce que vous finissez votre ouvrage en vous interrogeant sur un petit peu quel a été le devenir du mouvement des oulamas, d'une part, et puis de l'étoile nord-africaine PPA. Alors pour ce qui est des oulamas, on voit qu'ils perdent la bataille... donc du stade du 2 août 36 avec le congrès musulman ensuite qui est l'éclatement et puis leur la suite aux promesses non tenues de Blum Violette perdent leur crédit aussi et ça se traduit aussi dans les urnes et sont ensuite repêchés par le FLN réintégrés dans le mouvement la guerre de libération et le front national. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que après l'indépendance, là, il y a une sorte victorieux dans le sens où, comme l'écrit, je crois que c'est vous citez Charlotte Corail. Oui, et aussi d'autres qui s'appelle Merdassi, peut-être. Oui. Oui, donc on oui, préempte en quelque sorte donc le pilier de l'éducation nationale algérienne et il commence à, comme le dit Merdassi Abimadjid, ils sont en quelque sorte vainqueurs parce qu'ils ils arrivent à contrôler la société par le contrôle des esprits. Voilà, et on est donc sur on passe de la conception ouverte de la Soumam à une conception unanimiste qui a été décrite par Karim Anazli avec le croyant qui se substitue au citoyen et où l'histoire est confisquée au profit d'un nationalisme épuré et vidé de toute hétérogénéité. Donc, ils arrivent à eux se mouler dans donc, cette conception unanimiste autoritaire. Ça leur convient, ça convient au courant islamo-conservateur, et à contrario, les idées qui étaient portées par une frange du PPA et de l'étoile nationale, l'étoile nord-africaine, qui était plus dans le respect des règles démocratiques, la pluralité, le respect de la diversité, etc., a
elles ne trouvent pas leur prolongement dans la Nouvelle Algérie. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, cette évolution que vous soulignez, entre d'une part donc une montée en puissance de l'étendard africain du PPA qui est le fer de lance, qui est l'élément moteur, en tout cas le germe initial du mouvement nationaliste, et puis suite à ce qui se passe en 62, un peu la confiscation l'armée des frontières et effectivement le Boumediene et Ben Bella la prise de pouvoir hein, par Ben Bella et Boumediene, l'Algérie qui se met en place, qui est une Algérie unanimiste autoritaire, qui amène à ce deal avec ces islamo-conservateurs où, en quelque sorte, les idées des ulama trouvent toute leur place et arrivent à une centralité un peu dans la société algérienne qui a des conséquences jusqu'à maintenant. Et à contrario, bien comme je disais, on perd son l'ouverture de l'Algérie, il y a toute la diversité également à refluer. Voilà, je pense que c'est un élément également intéressant j'ai retrouvé dans votre ouvrage. Alors, oui, la façon de prolonger ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, bien sûr, c'est de comprendre pourquoi le retour à 1936 est si gênant pour une certaine histoire officielle ou une certaine légende militante des différents courants qui ont pu perdurer après 1962, soit dans la suite de la tradition des oulémas, soit dans la suite de la tradition communiste, hein, à travers le Pax, etc. Alors, pour l'histoire officielle, d'abord, le meeting de 1936, il est gênant de deux façons. Hein. D'abord, parce que par rapport à une légende officielle très simplifiée, qui est que tout a commencé le 1er novembre 1954, et si on y cherche des précédents glorieux, on les trouvera dans des faits d'armes hein, antérieurs, pour remonter jusqu'à Abdelkader, par exemple. Mais en s'intéressant très peu à la maturation politique qui se fait sur des décennies et qui, avant d'en venir à la lutte armée, se fait sur le terrain de l'activité politique, on peut dire, républicaine, d'utiliser tous les moyens très chichement ménagés par la société coloniale pour développer des formes d'organisation, d'expression, de lutte, de mobilisation, sous toutes les formes possibles. Donc, par rapport à cette vision, le meeting, il pose problème de deux points de vue. D'abord, c'est que il manifeste clairement que le drapeau de la souveraineté nationale a été levé ce jour-là et qu'ensuite, il a fallu avoir 20 ans d'histoire pour en arriver à 54. D'autre part, que sur les mots d'ordre à travers lesquels ce drapeau a été levé, ils sont indissociables, comme on l'a déjà dit, de la démocratie. Ça ne veut pas dire que c'est par la démocratie que l'indépendance se réalisera, mais que l'indépendance est la réalisation de la démocratie. Donc, ça, c'est gênant, parce que la souveraineté, elle est là dans ses deux sens. C'est bien sûr la souveraineté territoriale, il faut reconquérir sa terre, cette terre n'est pas à vendre, elle est à reprendre, mais la souveraineté, c'est aussi constituante souveraine, sans distinction de race et de religion, c'est-à-dire l'admission qu'on est fort de sa diversité, et que la loi du plus grand nombre n'empêche pas la reconnaissance de la diversité. Et le respect des minorités.
et le respect des minorités. Mmh. À l'époque, c'était oui. différentes communautés de l'Algérie coloniale, mmh. mais on sait aujourd'hui que, sauf ceux qui ne veulent pas le voir, l'Algérie a sa pluralité. Alors, il y a aussi une gêne sur le Congrès musulman lui-même, parce que dans une certaine réécriture de l'histoire, tout commence en 1954, et si on cherche des précédents politiques, on ne voudra pas les trouver dans l'étoile nord-africaine ou fort discrètement, même si toute une génération du mouvement de libération nationale est née au sein du PPA, tout le monde le sait, mais on voudra valoriser comme origine politique les oulémas, c'est-à-dire faire de l'association des oulémas le berceau du nationalisme au sens politique, au sens du combat pour l'indépendantisme. Et dire que la réalité historique n'est pas celle-là, ça n'est pas minimiser le rôle des oulémas. Les oulémas ont joué un rôle considérable. Le fait, dans l'Algérie coloniale, de se battre sur le terrain culturel, linguistique, religieux, alors que tout le système de l'administration mettait sous la dépendance, toute expression, sous le contrôle, toute expression de la foi et de la langue, bien évidemment, ça ne pouvait que jouer un rôle essentiel dans la mobilisation, dans la volonté de reconquérir sa personnalité d'une population qui était et qui reste profondément musulmane. Donc le débat n'est pas là, mais c'est dire que politiquement les oulémas, ou le PCA d'ailleurs, est à l'origine du combat indépendantiste, c'est une révision. Contre-vérité. C'est une contre-vérité. D'ailleurs, les oulémas avaient théorisé le fait qu'elles pouvaient conjuguer la lutte contre toute assimilation culturelle et religieuse et une attitude de légitimisme politique et institutionnel. Et il faut jouer sur la traduction des textes de 1936 des oulémas en traduisant « Oumma » qui se réfère à la communauté des croyants par peuple algérien ou patrie algérienne, pour en faire des indépendantistes avant l'heure. Toutes les forces du Congrès musulman, et c'est vrai aussi pour le PCA, étaient en fait, inscrivaient leur combat revendicatif extrêmement mobilisateur dans une perspective politique qui restait celle de l'assimilation égalitaire à la cité française et à l'État français. C'est pas du tout une injure que de dire ça, et dire le contraire, ça a un autre effet, à mon avis, pervers, c'est de dévaloriser l'expérience proprement démocratique qui s'est accumulée à travers ces mobilisations, utilisant toutes les formes que j'évoquais tout à l'heure, le parti, l'association, la pétition, la démission collective, la grève, etc. Alors, le problème des oulémas, c'est qu'ils avaient théorisé ça, et que d'un certain point de vue, voulant à la fois se libérer de l'emprise coloniale sur la culture, la langue et la religion, et rester dans le cadre républicain, ça les a amenés à avancer un mot d'ordre qui aurait été profondément démocratique dans l'Algérie indépendante, qui était séparation du culte et de l'État. Il le disait face à l'État colonial et à ses emprises administratives, mais ça aurait pu valoir aussi bien dans la fondation de l'État algérien, et ben, comme vous l'avez rappelé. Ce qui n'a pas été le cas. Et au contraire, ça a été... un affirmage, disons, du secteur éducatif, mais aussi de la Constitution, du Code de la nationalité, du Code de la famille, à une certaine
confessionnalisation de la chose, publique. Voilà, c'est une contradiction qui, d'un certain point de vue, ressort aujourd'hui, hein, objectivement. La souveraineté, ce n'est pas que la souveraineté territoriale, c'est aussi l'exercice effectif du pouvoir du plus grand nombre dans le respect des minorités. Et c'est aussi ne pas confondre le citoyen et le croyant, la chose publique et la chose religieuse. Voilà, merci Christian Fini. Je terminerai donc par un élément auquel vous venez de faire allusion, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'acquis durant cette période-là, des années 30, des années 30 aux années 50, des acquis démocratiques, de citoyenneté, d'expérience militante. Donc, il y a réellement, d'abord, il y a eu un apprentissage du militantisme, un apprentissage des pratiques citoyennes, des pratiques syndicales, et tout ça, avec l'unanimisme qui s'en est suivi après l'indépendance, en grande partie, ça a été perdu, ou en tout cas, ça n'a pas été valorisé. Voilà, ça, vous le soulignez aussi, et je crois que je vous rejoins là-dessus. Mais je voudrais, pour finir, donner la parole à Issa qui nous a suivis, et je suis sûr qu'il a des choses à dire sur tout ce qu'il a entendu. Il y a tellement de choses à dire. Je vais être assez rapide. D'abord, merci Christian pour cette remarquable analyse. Enfin, ce que je disais au départ, c'est que tu fais une analyse socio-anthropologique, tu fais une histoire par le bas, hein, une histoire disons, de la société algérienne, de son évolution, du mouvement national, une histoire par le bas. Hein. Et cette histoire par le bas renvoie bien au contexte, aux acteurs, aux interrelations, aux interactions entre acteurs, à la respiration idéologique, au moment, etc. Et que donc là, véritable, et elle aboutit en fait aussi à une conclusion qui est une conclusion politique, dont on vient d'écouter quelques pistes. Voilà, donc vraiment merci pour ça. Alors, une remarque peut-être par rapport à tout ce qui a été dit sur Messali, d'abord quand vous dites Messali, c'est la constituante, évidemment, c'est ça qui est la centralité même de son combat et de ses exigences, mais Messali a été indépendantiste au congrès de Bruxelles 27, il a tout un programme où l'indépendance est demandée, l'indépendance totale dans son programme qui est à la fois social et politique, il demande l'indépendance. Voilà, donc parce que il semblait qu'il y ait une ambiguïté du fait qu'il ne déclare pas l'indépendance donc au stade, mais en fait, c'est un indépendantiste déjà depuis le début, hein, depuis 1927. Deuxième élément, deuxième remarque, c'est tout ce qui tourne autour de Cheikh Al-Aqbi, Tayyib Al-Aqbi, et son ambiguïté. Effectivement, comme le soulignait Farid tout à l'heure, c'est à la fois on en avait discuté avec Christian longtemps sur son ambiguïté, sur le fait qu'il est même perçu à un moment comme un agent de l'administration française, si bien qu'en 40, à la mort de Cheikh Ben Badis, c'est pas lui qui succède. Hein. En fait, il est déjà, on peut dire, un peu brûlé, un peu cramé à partir de cette affaire 36, où il perd son influence, et que c'est Bachir Brahimi qui reprend la main en 40. Donc, à mon avis, il faut revenir sur l'ambiguïté du Cheikh Al-Aqbi. Tu l'as bien souligné d'ailleurs, Christian. Mais enfin, à la fois à travers sa trajectoire, ses origines, ses engagements au début dans les années 20, ensuite, sa proximité, son entrée dans le mouvement réformiste après les années 25-30, hein, et, disons, Cheikh Al-Aqbi, c'est quelqu'un dont, d'ailleurs, Al-Emirat dit, c'est quelqu'un de fougueux, qui est très offensif, et donc il y a une ambiguïté autour du personnage sur laquelle il me semble qu'il faut revenir. Voilà, en gros, la conclusion, moi j'adhère totalement, en fait, c'est, je le disais au départ, c'est l'idée qu'effectivement, il y a des objets qu'on met à la marge, hein, et ce congrès musulman, il est mis à la marge dans cette histoire officielle qui se construit après l'indépendance
il est intéressant, enfin, il est important qu'on revienne sur ça et qu'on revienne sur des faits comme ça qui semblent anodins, sur 45, par exemple. On est aussi passé rapidement sur 45. Il y a des choses extrêmement importantes qu'on rate sur 45. Je parlais avec Christian récemment, j'ai reçu un texte de Neil McMaster, l'historien britannique, sur une analyse de la société algérienne en 45, c'est-à-dire par le bas, sur la question de la famine, la question, disons, de l'alimentation et du blé, etc., du jeu des colons, du lobby colon, du jeu politique de l'État français, et puis des réponses et des réactions, disons, des nationalistes à ce moment-là. Je pense qu'il y a une histoire aujourd'hui à faire par le bas, à revenir. Au-delà de l'histoire qui a été faite aujourd'hui sur les acteurs, puisqu'on parle de tel ou tel acteur, de tel ou tel personnage, qui sont un peu mythifiés dans l'histoire, Mbella, etc., Boumediene, et d'autres, Abin Ramdan, qui sont centraux dans cette histoire. Mais le fait de, disons, de focaliser sur ces acteurs fait oublier ce qui se passait dans l'Algérie profonde, enfin, dans cette histoire profonde, et fait, disons, rater le fait de ce que vous disiez à l'instant, la question de la construction de la citoyenneté, comment tout ça s'est construit, et ce qu'on a raté d'ailleurs dans cette histoire de la construction de la citoyenneté. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup Issa pour ces remarques. Christian, tu as un droit de réponse, là, rapide, sur la... Alors, comme dit, sur Messali, 1927, bien sûr. Ouais. La question, c'était, il n'a pas prononcé le mot d'indépendance. Au stade. Voilà, au stade, oui. Au stade. Mais avant, il l'avait apparemment. C'était dans le programme. Pour tout le monde, à mon avis. En plus, que j'ai dit que Messali ne connaissait pas Alger, mais il était connu à Alger. Oui. Et quand il apparaît, il y a un effet de surprise et on découvre qui il est, mais on sait ce qu'on va entendre de lui, d'un certain point de vue. Hein. Même si c'était connu que par des on-dit ou des critiques faites par les autres. On savait que la parole qui le portait, c'était celle du Congrès de Bruxelles, quoi. 1927, l'indépendance du Maghreb. Voilà. Sur El Obbi, c'est effectivement complexe, mais c'est un autre débat. Contrairement à ce qui a été écrit souvent, je crois qu'il est faux qu'il ait été promu ou pressenti par l'administration pour succéder à Ben Badis en 1940. En fait, la succession s'est faite sans véritable élection au profit d'Ali Brahimi. Et El Obbi avait rompu en 1938 avec les oulémas sur une question politique qui était l'attitude face au conflit européen qui se... Hitler... Donc voilà, il n'était pas du tout candidat à ce genre de choses. Mais c'est un autre débat et il faudrait faire... En 1942, il se rapproche de communauté juive, il est dans le débat interreligieux, etc. Il est dans... Et en 1957, ça, il meurt en 60, hein, en 1957, il fait une tribune dans Le Monde au début de l'année, alors que se prépare le débat sur l'Algérie à l'ONU pour dire... Voilà, il y a aujourd'hui une mystique algérienne qui se reconnaît dans le FLN. Il ne dit pas qu'il est d'accord sur tout ce que fait ou dit le FLN, mais il dit que la voie est ouverte pour l'indépendance, sans se considérer comme un combattant d'indépendance qui ne peut plus être de toute façon. Donc, personnalité. Voilà, complète. Merci beaucoup. Merci. Christian, pour cette belle soirée, cette soirée très riche, et à Issa de nous avoir accompagnés, et pour tes conclusions, et également pour le programme des éditions du Croquant. Je crois qu'on va se retrouver, il y a beaucoup de titres dont nous a parlé Issa, qu'on rêve de recevoir et dont on rêve de parler. Donc, Il y a déjà sur novembre... Voilà, 40. On va prendre rendez-vous là déjà. Tu nous donnes le prochain titre. Et le rôle de Lockby en novembre 40. Ouais, ben, c'est parti. Le rendez-vous est pris. On retrouve toujours les mêmes. Je l'ai dit, d'un livre à l'autre, on retrouve toujours les mêmes. Vraiment, merci. Je pense que
d'un point de vue méthodologique, c'est ce que devraient faire les jeunes historiens aujourd'hui, c'est de revenir à cette histoire vraiment par le bas, à travailler sur les sources, les archives. Et, merci beaucoup, Christian, pour tout ce que tu fais et ce que tu nous apportes. Voilà, merci. Voilà. À très bientôt. Merci. Faites-vous bien. Au revoir.